On passe en stream. Ah merde, attends, j'ai pas fait la bonne capture. Donc là, tout le monde m'entend dire que j'ai pas fait la bonne capture. Tout va bien. Allez, dites-moi que c'est bon, dites-moi que c'est bon. Oui, on est en live, oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi sur le chat. Donc il y aura un gros décalage, donc en fait, je le saurai jamais. Attends. Bienvenue à tous sur ce nouveau live de d'Adventure. Ça faisait longtemps qu'on n'en ait pas fait un. Hein, il y a quelqu'un qui crie. Et je suis avec Aijin, bien entendu, mais je suis également avec Tapou, avec une tortue, et avec Ficelle qui est loin au fond. Bonsoir Tapou, bonsoir tortue, bonsoir Ficelle! Il On arrive de nuit, mais quand même, on vous accueille. Je suis tellement heureux que genre. Il y a quelqu'un qui est rentré chez nous, il est en train de péter tout! Il est en train de péter! Ah oui, c'est la. Ah, c'est la fameuse nouvelle faction. Alors, on a une ou deux mises à jour de retard. Ce qui fait que là, il y a une nouvelle faction de mecs qui sont tatoués avec des. Des croix, là, en fait, clairement. Et qui font plus de dégâts. Donc, il a pété notre rack de bouffe. Hein. Ouais, t'as pas le même look que tout le monde, Ficelle. T'es gosse beau. Par contre, t'as une petite moustache. Je t'avoue qu'on n'est pas à l'aise là. Bon. Bah, vous nous excuserez, les mecs, il n'y a pas d'endroit pour dormir. Donc, vous faites un tas. Oui. Mais c'est ça qui est important. Alors, pourquoi on n'entendrait pas les autres? Alors, attendez, faut que je règle tout ça. Sortie de ligne Scarlett 2i2. Pourquoi on n'entend que moi? Normalement, tout va bien. Ah non, j'ai une petite idée de pourquoi. Et Toujours encore. pour la même raison. Et normalement, c'est mieux là. C'est bon, on nous entend dans le On va voir, chat. mais normalement, oui, mais oui, putain, je me chie à chaque fois, mais mon mixage audio là, que je dois changer à chaque. Ah oui, c'est vrai que ça c'est Non, chiant c'est ça. bon. Dites cacahuète si c'est bon dans le chat. Je vais faire l'appel. Tapou. Présent. Présent. Tortue. Bien. Lui. Tortue, Tortue c'est lui. n'a qu'un mot. Ficelle. Oui. Ah bah voilà, bah, tout le monde est là, mais c'est parfait. Ah, merci Eden Pierce. Eden Pierce qui est notre adjoint technique. C'est ça, À la technique. c'est notre Odise quand on part en tournée. À la technique. Eden Pierce. On sait bien tout ça, on est parti en live, mais est-ce qu'on a une mission là pour le moment? Pas du tout. Bah pour le moment il faut que tu continues tes schémas, Tutter, parce que du coup pendant que les Larbonnés sont en train de... Putain ils sont déjà affairés, ils sont beaux nos Larbonnés, mais ils sont beaux! Ah mais magnifique! Je regarde Merci. ça d'en haut, je trouve ça beau, je Va trouve ça les aider quand tellement... même, espèce de. Ah non, je regarde, tu présentes dans la des Larbonnés, c'est pas pour que ce soit moi qui me tape le boulot. Merci Red Wolf pour le follow. Et merci Red Wolf! Non, je vais regarder et commenter ce que tu vas faire, mon Tutter. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien faire de sympa? Donc, déjà, il faudrait finir cette plateforme. Je serais tenté de faire quand même une habitation en bas, là, tu vois. Ici, à l'entrée, derrière l'entrée, je serais tenté de faire une petite habitation. Je vais virer ce feu, hein. Je vais le mettre ailleurs. Tutter, t'as pas des dynamites histoire que moi j'enfile au larbonnet? Tiens, vas-y. Ça vous dit de la dynamite, les mecs? Ah oui. Oui. Voilà, alors vous me vaporisez bien la forêt de tortue, là, clairement. Je crois que je suis assez fan du 8. Le 8. Tiens, il est tombé. Voilà. Merci. Ah Allez, non, ça va j'ai être sorti dit. le toki, je voulais pas. Mais sors pas le toki. On le sait. Alors, les enfants, hop là, allez. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter vos voix aussi. Parce qu'en fait, la voix d'Aijin est un peu plus montée que la vôtre. Parce qu'il a un micro de merde. Et je t'emmerde. On vous entend moins bien. T'as quand même en acheté un. Combine. Allez. N'hésitez pas hein, si vous avez des trucs à dire, nous on fermera nos gueules. Hein. Tortue, c'était dispo. Tiens, arrête de faire host net responding, monsieur Navet. Ouais, je sais, c'est de ma faute. Deux petites secondes là. Tout va aller bien dans Tu quelques secondes, tant que je règle veux les bien problèmes. le host net responding? Tu veux bien? Je reviens, je reviens. Tiens, une tortue, tiens, je te file une dynamite. Tortue a disparu, tortue! Tortue? Oui! Putain, tortue, il se téléporte, putain, C'est bon. il me fait des coups.
Putain, tu... Attends, viens, tiens, je te donne une dynamite, tiens. Alors... C'est bon, tu l'as ? Qu'est-ce qui peut être sympa ? Tu dis oui si tu l'as. Est-ce que t'as la dynamite ? Non, t'as pas la dynamite ? Alors, attends, je vais recombiner, je vais remettre une. Si, je l'ai. Ah, c'est bon, bah, impeccable. Non, mais c'est bon, mais... Oh, c'est gentil, oh, bah, écoute, je le prends. Oh, c'est gentil, les larbonnés me font des cadeaux, oh, oui, ils sont beaux, ces larbonnés, oui, je sais. Il t'a donné quoi ? Une canette de coca. Ah, super. Non, mais d'accord, sur papier, c'est pas ouf, mais le geste, y est, et ça, j'apprécie. Cool. J'apprécie. Je crois que je risque de faire une connerie. C'est pas mal foutu le sol en fait. Alors, est-ce qu'il y a une meilleure façon de placer du sol que le custom? Ah, Tapou, elle me fait pas tomber, oh. Tiens, Tapou, je te donne une dynamite. Ah, oui. Tiens. Attendez, j'ai fait une connerie. Parce que je vais pas mettre le custom floor. Merci. De rien. Et donc, il m'en manque qu'un. Donc, tortue, c'est fait. Tapou, c'est fait. Bah, il manque ficelle. Qu'est-ce que tu leur donnes? Ah, de la dynamite. Ça fait 14 fois que je le dis. Ouais, faut m'expliquer longtemps. Hein. C'est compliqué. Hein. On peut mettre des custom fondations comme ça, au moins ça équilibre le sol. C'est plus mieux. Hop. Tiens. Tiens, ficelle. Ah, voilà, des sauvages. Je crois qu'il y a des meilleurs. Ah, il y a de l'agression. Non. J'aime l'agression. Ah, il me montre ses boobs. Ah, je me fais attaquer par des nichons. Non. Ouais. Tiens, viens là. Ah, vu la gueule des nichons, je suis pas fan non plus. Wow, vous êtes un peu 8000 là. On va peut-être se calmer. Oula, il rentre dans la base. Ne tapez pas les murs. Voilà, ça je promets rien sur l'émotion, ça peut compliquer. Mais oui, il y a du monde. Bon bah écoute, on va prendre 35. Wow. Alors attendez, on va fermer cette putain de porte à la con. Clairement, les faire foutre. Oula, ferme la porte. Ah bah on essaye, mais ça devient un peu tendu. Allez, écoute, mais elle va me défoncer cette biatch. Sortez, monsieur. Allez, écoute. Sortez, monsieur. Mais ils prennent des points de vie, ces bâtards. Bah ouais, ils sont intombables les trucs, c'est un truc de fou là. Bah ils m'ont bloqué sous l'escalier. Oh mon dieu, il y a eu un viol. Un viol qui a commencé. Fermez la porte. Ah merde, j'ai enfermé tortue et moi-même dehors. Bonne année. Oui. Je crois que j'ai pris feu. Ah mon dieu, sale, non, plus sale, non. Putain, j'ai failli te buter. Allez hop. Hey ficelle, en piste. On se remet debout. Je l'ai raté, on peut se réunir. Hop là. Okay. Oh là là là, c'est le bordel. Ah là, mais c'était n'importe quoi là. Tout le monde est mort ou quoi là? Hey, ficelle, non, on est... Ficelle, ça va? Oui, j'ai rapporté dans le feu. Mais ficelle, faut pas se suicider dans les flammes comme ça. Je t'ai fait une offrande. Ah, c'est bien. Mais comme j'ai encore besoin de vous vivant, on verra pour la fin, mais pour le moment... Il y a encore du taf. Va falloir aller faire charmer là, ce coup de bordel. Il est défoncé, mais il nous défonce. Alors, comment on fait le marteau par contre? C'est ça la question. Ouais, parce qu'on va en avoir besoin là. Accessoirement. C'est cool les mecs. Par contre, on est d'accord que les effigies ne servent à rien. Hein, on est toujours autant d'accord là-dessus. Attends, quoi. Attends. Je suis pas loin là pour le marteau. Non. Non. Hop. Alors, c'est un caillou et de la roche déjà. Attends, mais peut-être que c'est marqué hein, dans mon livre, je suis en train de me dire. Ah, ça se voit, ouais, il l'a mis raccourci. Bien sourd. Alors, profitez pour vider les planches. Eh bien, non, les amis. Il va péter les genoux. Il faut deux bâtons, un caillou et deux vêtements. Et 10 feuilles. Probable. Deux vêtements et 10 feuilles. 10 feuilles? Mais non, ça fait rien. Un bâton seulement? Bah. Attends. Non, deux bâtons. Deux bâtons. Ah, toujours repair tool, ok. Le caillou, les fringues. Comment ça me casser les couilles, monsieur? Sap, c'est bien les fringues. Des feuilles. De la résine. C'est de la résine, ça. Ah, bah il faut de la résine. C'est bon, j'ai mon marteau. Oui, je suis Bob le bricoleur. Comment ça marche? Ouais, je suis derrière, je suis en train d'en cramer un dans la joie, la bonne humeur. C'est trop. C'est comme un con de muraille et ouais, ça me répare. Eh, ça y est, ça marche. Il n'y a plus de lumière, mais ils ont tout pété ces enfoirés. Ah, ouais, mais ils sont arrivés, ils nous ont tous saccagés, ces cons. Mais oui, regardez-moi ça. Faudrait sortir les Maccabées aussi.
Ouais, je suis en train. Je vais permettre de vous donner des ordres. Je suis en train de le faire, j'ai déjà vidé un chariot d'ailleurs. Bon, par contre, c'est hyper bien ce qu'ils ont fait là avec le marteau, plutôt que de devoir récolter du trisap pendant des années. Ouais, bah ils ont dû nous entendre, ils ont dû dire ah, c'est pas con, c'est vrai que le trisap c'est chiant à collecter. Nous on a une portée internationale. Ah, on a une influence sur le monde de The Forest, un truc de fou. Ah, les développeurs ils entendent qu'on se plaint une fois, les mecs ils chopent pas. Fais, oh, vite, Manu, vite, fais un truc là, vite, change ça. Les Tony Page ils sont pas contents, les gars, on peut pas se permettre de se les aliéner, que ça devienne des ennemis. Tu vois pas le boulot, toi, donc Et donne-moi les bûches. Hop là. Putain, mais ça avance trop vite, c'est trop bien. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit de commencer à poser les schémas. Bah ouais, mais vous, alors, vous avez plus vite que moi. Je crois qu'on a retourné un chariot. Ça arrive. De colère. C'est de la merde, ce chariot. Ah bah c'est bon. Alors, je vais un petit Porsche. Oh merde, excuse-moi, je me suis coupé de touche. Aïe, je me suis fait super mal. Aïe. Alors. Par contre, quand il fera jour, il faudra faire une expédition punitive parce que les larbonnés ils vont pas avoir de boisson ni du manger. Donc, Ah, mais d'ailleurs, je suis en train de crever de faim, moi je suis en train de te réaliser là. Eh, si on les accueille, les larbonnés, bon, on les paie pas, ça fait coup de fouet sur les couilles, mais après le reste, faut quand même leur donner. Voilà. Merde, mais j'ai vraiment j'ai envie de crever de faim en fait, littéralement. Eh bien, mange un truc. Mais j'ai rien à bouffer. Et si tu veux, j'ai un Snickers. Ah, oh, je veux bien un Snickers, s'il te plaît. Fais gaffe à ce genre de proposition, t'en es pas. Vas-y, viens, j'ai un Snickers. T'as de quoi me le. Ah, y'a des macabres qui crament dehors. Ah, tortue, t'as de quoi me le donner, le Snickers ou pas? T'as le petit râteau? Le petit plateau? Le petit râteau. Si tu donnes à bouffer du Snickers avec un râteau, on est pas dans la merde. Et il est vide. Merde. Le mec qui sort de sa poche, tiens, mange ça. Y'a rien. Ouais, bah, imagine le. Eh bah, tant pis. C'est beaucoup tortue. Je te dois la. Je t'ai fait une bonne blague, t'as vu? Ah, j'ai chaud. Alors, ceci dit, j'ai des jambes. Ah non, j'ai plus de jambes. Bah, ceci dit, on peut faire du cannibalisme. Hein. Enfin, franchement, visiblement, c'est pas plus que ça. Oui, on remarque, c'est vrai que nos personnages vont bien quand même. Hein. Tu veux que je te le donne, mon marteau, AJ? Ouais, vas-y, fais péter, je vais réparer pendant que. Comme ça, je m'en ferai. Est-ce que je peux au moins? Bah sinon je te tue, je le récupère sur ton cadavre. Je peux pas, il te faudrait du. Je peux te filer du trisap si tu veux faire le tien, ton propre marteau. Non mais je vais te buter et le récupérer sur ton cadavre. Non tu viens peux là. Pas. Si peux viens pas. Là. Attends. Si bah suis. Si viens là. Viens là. Alors je voulais faire un petit Porsche là. Donc c'est deux bâtons. Pour moi c'est très important ce petit Porsche. Ouais mais du trisap c'est toujours autant la merde pour l'avoir, bah non, tant pis c'est baisé. J'en ai quatre. Mais on a pas un pot là qui Ah si, on doit avoir un pot pas loin, cela dit, oui, effectivement. Bon, il a pas récolté puisqu'on était offline, mais quand même. Custom floors. Oui, c'est ça que je voulais faire. Et qui a garé ça là, là. C'est ni fait ni à faire, mais... tu peux déplacer le chariot, mon brave agent, s'il te plaît. Attends, excuse-moi, mais j'ai non, deux bûches sur le feu, là. Ouais, parce que là, tu t'y crois un peu trop, mon totter, quand même. Hein. Le mec, attends, excuse-moi, agent, mais... Ça va vite, quand même, le pouvoir, hein. Ouais, ça te monte vite à la tête, hein. À la fin, ça va faire « Et les navets, les domineront tous !» Oh, calme-toi, là. Ou pardon, oui. Je vais plutôt faire une plateforme, en fait. Je sais pas, mais à l'habitation en avance, il va falloir faire un truc, là. Ah non, mais moi, je suis à la ramasse, là. Ouais, là, t'es... Hey, l'architecte, tu branles ta nuit, là. C'est chiant, parce qu'on voit pas très bien. Tu te oins le bulbe un peu trop, je trouve. Je oins le bulbe, mais d'une force, les gars. Ok. C'est absolument pas au milieu. J'ai raté beaucoup de. Mais par contre, t'as tellement de la merde à placer tes putains de trucs là-haut. Putain, t'aurais pu penser à nous mettre une petite balustrade pour le mettre, putain. Petite balustrade. Qu'est-ce qui me parle? Bah, nous faire des vrais escaliers pour monter, quoi. Parce que alors là, je suis obligé de faire tout le tour. Ta balustrade, tu me fais pas chier, merde. Bah, c'est qui l'architecte au bout d'un moment? Bah, c'est pas moi, hein. On l'a vu à multiple reprises. Hein. Bah, c'est pas moi non plus, on l'a vu avec la Batcave. Mais qu'est-ce qui me fait le jeu là? C'est pas du tout ce que je t'ai commandé. J'ai demandé deux Big Mac, une fois de coca. Mais non, il est ici. Bon, bah, je vais faire un escalier classique. Comment on crée une hache déjà? Une hache, Merde. La hache, ça doit être. On croit qu'il manque juste de la ficelle. Ça va suffire ça ou pas là? Alors attends, je vais regarder dans le crafting. Alors, comment qu'on fait une hache, une bâton? Non, c'est bon, j'ai retrouvé la mienne. Je vais parler de la mienne. Alors,
Je vais pas monter sur la plateforme que je viens de créer parce que je suis le meilleur joueur du The Forest du monde. Je vois pas si dur envers toi même. Alors. Il faut du triceps pour le. Pour le marteau, pour ouais. Le repair tools. Ouais, il en faut 10. En fait, c'est. Disons que. Il faut 10 triceps ? 10 triceps. Oui, mais. Après, t'en as plus besoin pour fabriquer. Donc, au final, c'est un truc de taré, quoi. Wouah ! J'en mets ! Direct sur le mur. Okay. Je suis pas assez encore. Bah, par contre, y'a pas de porte dans mon histoire. Là. C'est important les portes pour vous, les gens, ou pas ? Ou vous pouvez passer à travers les murs ? Non. Non, hein ? Ça va alors. Non. Y'a que sur un souvenir qu'on peut s'amuser à faire du passe-muraille. C'est pour les faibles. Voilà. Les portes, ça sert moi, je veux un oiseau. Tu veux un oiseau? Un oiseau. Tu veux contrôler pour passer au-dessus du mur. Ah, d'accord, ok. Je crois que nos larbonnets, ils ont eu le soleil qui leur ont tapé sur la gueule. Il y en a certains qui commencent à me sortir des phrases cheloues, Totter. Ouais, ouais. Souris. Verte. Pourquoi la vie? Il te regarde en bas. Quelqu'un m'a caillassé la gueule, là, ou quoi? Ah non, c'est moi qui suis con, excuse-moi. Ah parce que... Ah putain. Un larbonné. Faut pas déconner, hein. On a mégaloternip. Oh, tu sais qui m'a cassé la gueule, là-haut. Oh putain. Allez, con. Bon, je sais pas ce que ça va donner, mon histoire. Mais non, mais à chaque fois, Tutor, faut que tu viennes me réanimer derrière l'échafaudage. Pardon? Faut que tu viennes me ressusciter derrière l'échafaudage. C'est bizarre comme phrase. Tu viens me réanimer. Mais putain, tu viens me ressusciter derrière ce putain d'échafaudage. C'est terrible, mon ami. Tenez, je vais faire une sauvegarde, attention. Merci. J'y arrive pas. Ah non, faut que je répare. Oh non, moi j'ai pu sauvegarder sans bordel. Ah ouais, ça par contre, ça fait pas rigoler. Hein. Petite sauvegarde des familles. Non mais Tutor, c'est pas le truc le plus pratique au monde que tu nous as donné hein, pour pouvoir mettre tes... Mais c'est quoi ce bordel avec les chariots là? Y'a des chariots à moitié vides partout, y'a des... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? attention les amis, attendez, on sort les haches, y'a des gens dehors. On va faire expédition punitive, allez. Allez les enfants, on sort. Allez, on se les fait. Allez. J'ai ni mangé ni endurance. Il rentre. Après, il va peut-être aller chasser. On va après, il va falloir aller chasser pour aller récupérer des trucs pour les larbonner parce que là, sinon ça va pas le faire. Allez, voilà, je suis bien. Voilà, y'en a un, il a couru sur moi. Il a rien compris. Voilà, on est bien. Bon, on va se faire un petit gueuleton, les gars. On s'est chassé 5 minutes, puis on mange tous ensemble, ça va être sympa. Ouais, on va faire un petit pique-nique. Oui. Allez, sympa. Allez, vous aimez le lézard ou pas? Vous l'aimez comment? Saignant. Cru. Ah bah tiens, je vais t'en donner. Fais gaffe, ça fout la chasse. Je vais tenter une fois. Tac. Ça c'est bon. C'est parfait ça. À la limite, tu penses pas qu'on devrait faire une expédition? Eh merde, il faut. Une expédition. Dans le village à côté là, à la limite. Bah, je pensais plutôt de revenir à l'avion en fait. Parce qu'avec toutes les valises qu'il y a, au moins les larbonnets pour se faire un petit stock. Tu vois qu'est-ce que je veux dire ou tu vois pas qu'est-ce que je veux dire? C'est à fou, tu m'inquiètes. Je te vois en train de découper un macabé. Il n'est pas mort, je le sais. Oh, putain, je le sens. C'est méga flippé, c'est méga flippé. Je vais regarder en disant ça. Je vais fermer les portes, je vais tranquille. Hein. Ok, allez. Alors, rentre pas tortue, il est louche. Oh putain, ah, me lâche pas. Fuyez. Il m'a lâché. Oh putain. Alors Tapou, il y a un truc que tu m'as fait, c'est pas normal, parce qu'à la base tu tenais un cadavre en entier, et à la fin tu m'as lâché que son buste. Comment c'est possible? Imagination. D'accord, ok. Et là, ça commence à me plaire. Imagination. Eh, c'est vrai qu'on a un lapin, là. Ah oui, c'est vrai qu'on a toujours notre... Il va falloir le fumer, qu'est-ce que je te dis? Allez, viens là, Bunny! Et splash! Dans tes gueules. Fini l'escalier. En toute honnêteté, je pense qu'il va y avoir un gros fail des familles au niveau de mon agencement de trucs, mais.
Bah écoute, moi sur le papier, on est pas mal. Hein. C'est juste que c'est super chiant en haut la plateforme que t'as fait, quoi. C'est pour ça que je me casse la gueule en boucle, en fait. Bah, tu peux faire un accident handicapé, tu m'excuseras, hein. Bah t'aurais dû, parce que t'es avec moi, quand même. Voilà, alors, encore la magie de The Forest, où les mecs, ils ont les genoux pas droits, et ils peuvent pas monter... Putain, je suis seul à pas pouvoir monter cet escalier, là. Hop là, ça c'est bon. Mais putain, ça c'est bon. De merde. Mais j'arrive pas à monter les escaliers, moi. Mon perso, il veut pas lever les jambes. Et c'est toi qui parlais de d'escalier handicapé, t'es sûr de ton coup là? Je suis un peu trop habitué au luxe. Ta peau par contre au bout d'un moment faut arrêter de jouer avec les cadavres. Voilà, c'est rigolo mais voilà. J'ai inquiétant s'il te plaît. Non non voilà, là faut arrêter. Maintenant c'est mon cadavre. C'est le mien moi. Non c'est le mien. Non non c'est le mien. Non. Reviens. Ça suffit. Bah Edwin, voilà. Fais un grand feu. On va tous manger ensemble, ça va être bien. Fais un grand feu. C'est vrai que le pouvoir te monte vite à la tête quand même. Mais non, mais s'il te plaît, je suis en train de chasser, c'est bon quoi. Ah bah tu vois, quand tu dis s'il te plaît, de suite ça passe mieux. Je suis en train de chasser, tu vois quand tu veux. De faim, tac 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 tac. Ouais, je nous fais un giga feu ou. Bah, fais un feu correct quoi. Bah, je nous fais un bonfire. Ouais, ah, c'est ça. On a capturé un lapin. Tu vas nous faire un bon feu ça. Absolument pas, on a absolument rien capturé. Bah, comme d'habitude. Hein. Et toujours aussi psychologique, hein, ce piège à lapin. Ce qui serait drôle, c'est qu'on attrape un. J'allais dire un esclave. Non, un cannibale. Ceci dit, on pourrait bouffer les cannibales. Hein. Tout ça parce que t'as la flemme de chasser. Mais c'est pour ça que je ramène les cadavres. Ah bah voilà. Eh bah voilà, on va se faire un bon gueuleton entre potes. Bah je suis pour, personnellement. Totter, on a Nolan qui veut venir nous rejoindre sur le live. Et attends, je vais vérifier sur le chat que personne d'autre ait proposé. C'est vrai que. Ah mais d'accord, mais tu crois qu'on peut cuire des trucs là-dessus là? Mais tu vas foutre le on va foutre le feu à la baraque avec ce machin. Mais non, ça passe. Tu jettes les cadres dedans. Mais oui, t'en fais pas. Puis de toute façon, comme ça, quand on se fera attaquer, une chance sur deux, les cannibales, ils vont se jeter dans le feu. En plus, c'est bien parce que s'ils brûlent, ça donne des os. Bah ouais. Ça, c'est bien. Et ça, on aime tous les os, parce que comme ça, on a une putain d'armure après. Oui. Waouh les gars, vous avez déforesté. Ah bah là. Vous avez été envoyé se faire foutre mère nature. C'est bien, j'aime bien ça moi. Ils sont bien nos herbonnés, j'aime bien. Faut que j'aille chercher un petit peu de bûche pour la fin de. Pour la fin du campfire. Alors je sais plus si j'ai dit bonjour à tout le monde. Bonjour à Gveil 13, à Samy du 08, à Yalil 2401, c'est Coco, je t'ai répondu tout à l'heure. Bah voilà, je comprends. Salut à tous, oui, les nouveaux arrivants, excusez-nous. Parce que c'est vrai qu'on était concentrate. Alors mon son est plus faible que les autres, bah c'est peut-être normal, tiens. Je vais monter, là on devrait mieux m'entendre. Oh putain, ouais, là on t'entend un peu trop bien, même. Ah merde. Parce que alors là, tu me l'as monté d'une force. T'es dans ma tête, là. Oh, vous me dites, hein, si vous avez pu. Regardez, elle avance la petite maison, là. Poup, on sera bien ici. Je vais commencer à placer l'étage, parce que je vais faire un étage, parce que je suis un petit foufou. Ouais, toi t'es un déglingo. Oh! Oula! Oula, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai décollé. Est-ce qu'on peut snap automatiquement les nouvelles fondations ou pas? En fait, Tutter, t'as suivi ce que je t'ai dit à propos de. Je vais l'inviter, j'attendais qu'il se connecte à The Forest. Il y a une tortue qui est morte. Tu peux m'aider, s'il te plaît. Une tortue est morte. Mes tortues, mais alors mais... Tiens, je suis là. On en adoptera une autre. Mon dieu, tortue. Non, c'est sympa, les tortues, quand même. Non. Si on les tue, on récupère leur carapace, ça fait de l'eau. Hop, je te bascule sur notre chan. Hello, mon ami. Et je t'invite sur The Forest. Et c'est parti. Tout le monde est en train de se cramer sur ce putain de bûcher. Mais oui, mais en plus... Excusez-moi, tu peux m'aider? Faut décaler le chariot. Ouais, on va décaler le chariot parce que... on peut rien mettre à cuire là-dedans. Ah si, visiblement. Bon, c'est une très mauvaise idée, hein, ce bonfire. Si je peux me permettre une petite remarque. Non, il y a des osios qui peuvent se mettre dedans. Bah ouais. Ah. Ça fait des plumes. Ah mais je suis Kéblo en fait à côté. Mais t'as peur, faut que tu vires ce putain de... Alors Edgin... Mais c'est pas le mien.
suis en train de cramer sur place, tout va bien. Bon, je peux plus. Achevez-le. Non, mais n'achevez pas. J'ai de la dynamite, les gars. Déconnez pas. Nous fait tous sauter s'il faut. Je m'en bats les couilles. J'ai pété le bonfire, les gars. C'est pour la bonne cause. Je m'en bats les couilles. Fais gaffe, je l'ai allumé. Faudrait le faire à l'étage. Qu'est-ce qu'il fait, ce trou du cul? Bon, faut se faire un coin bouffe, hein, les gars, parce que... Mais un coin bouffe qui implique pas un putain de bonfire qui va nous cramer la moitié de la baraque. Putain, mais quelque chose qui me bloque. Ouais, je suis kéblo, pareil, je peux pas tourner à gauche ou à droite. Il y a un putain de chariot en plein milieu de la route, là. Mais on est tous kéblo pour une raison indéterminée. Bon, c'est pas possible, il faut une entrée des artistes, là. Mais ouais. Mais je suis un crabe, je peux me déplacer que... Dernier, je suis monté sur rail en fait. Je crois qu'il faut que j'enlève mon custom fondation. Tu conduis le et fais-le bouger à la place de le détruire. Oh merde! Non. Oh merde! C'était prévu? Pas du coup, Richard, ça veut dire non. Pas exactement. Voilà, c'est ça que je voulais détruire. Bon, je vais devoir refaire la grande plateforme là-haut. C'est chaud de monter avec un chariot. Tu vois, en fait, faut faire le tour, faut couper depuis l'extérieur là. Non mais alors, théoriquement tu montes pas avec le chariot, hein. Tu laisses le chariot en bas, tu montes les bûches de Z de part. Regarde pas ta pouille, Marc. Oh mon dieu. C'est bon, Nolan, je t'ai rectifié, tu peux parler. Ah oui, excuse-moi, je l'avais mute. Putain, j'oublie toujours que les mecs sont mute. Salut, Nolan. Tether, faut que tu viennes avec juste à côté de moi, il faut que je te raconte un secret, s'il te plaît. Oui. Tether, viens là. Attends, ta poule, parce que j'ai fait une petite bêtise, en fait, je sais pas si... Ternip, ramène ton cul. Attends, deux secondes, putain, je suis en train de... Qu'est-ce qui se passe? Ternip, à côté de moi, j'ai un problème. Je suis pas au-dessus du vide, là, par hasard? Si, parce qu'il y a plus, là... Je vole. C'est n'importe quoi. Rien ne se... Mais qu'est-ce qui... Pourquoi il y a un mec qui fait des génuflages? Ah, c'est toi, Edine. Mais, bute-moi. Pourquoi? Parce que je suis Keblo en ligne droite, je peux pas aller à gauche ou à droite. Tu le ouvres, c'est moi qui le tue. Là, tu peux peut-être bouger, hein. Si je te tout écoute. Non, je peux toujours pas. Bon, bah viens, aide-moi, tortue. Ouais, qu'une fois soit pas coutume. Oh, le défonce, le pauvre. Ouais, pourquoi putain, t'es bloqué peut-être par cette bûche, essaie de bouger, là. Là non, mais j'étais... Bon, on va essayer de te rester, ça va débloquer le truc. Ouais, bah j'espère, parce que c'est pour ça. J'étais bloqué en ligne droite, j'étais comme monté sur rail, en fait. Ça va, ta poule, t'es bien là-haut? Ça va. Je vais essayer de te faire j'ai toujours un problème. Il est dégueulasse, mon escalier, putain, mais c'est un scandale. Non, tortue, c'est pas la peine de me regarder, d'essayer de me buter, c'est bon, je vais me débrouiller, merci. Mais non, t'as l'air pas bien. Non, tortue, fais pas le con, tortue. Fais pas le con. J'ai de la dynamite. Putain, parce que je vais réussir à faire... voilà, tortue. Et les mecs, c'est pas être une en mode extinction. Si vous êtes doué en architecture, faites-vous plaisir. Parce oh putain. Alors, attends. Faut que j'aille voir dans mes options, bon, ça se trouve. Je vais plutôt partir de là-bas. Alors moi j'ai fait une cabane en solo, c'est bon ou pas? C'est pas mal une cabane déjà, parce qu'il y a pas grand chose qui ressemble à une cabane déjà dans ce concept là pour le moment. Ouais, on va dire que ça passe ça. Je suis un peu circonspect, ouais, je suis un peu circonflexe là. Je suis un peu plus circonflexe. Et là, est-ce que je peux revenir quand même sur mon truc là? Je fais comme ça. Ouais. C'est pas aussi joli qu'avant. On va devoir trouver des solutions pour rendre les choses sympas. Putain. J'ai faim. On a toujours pas bouffé, les gars. Je vous ai promis à manger et on a toujours pas mangé. Comment vous pouvez supporter? Ah, moi depuis tout à l'heure, j'ai ma barre de vie qui descend. Ça va. il est mourant, ça va. Je prends des médicaments, des sirops. Tout ce qu'il peut. Je vais le faire, mon feu, mais je vais le faire devant, chez nous. Voilà. Bonjour les copains. Ah, il y a Nonon qui est là. Si je saute avec le chariot, je meurs. Bah, moi je propose qu'un défi. Regardons si Tapou meurt s'il saute avec le chariot. Aidez-moi. Let's pause blow expérience sociale. Ah, il y a une tortue qui est morte encore. Aidez-moi. Oh, Tapou, oh putain. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, tortue? Et bah, en fait. Mais tortue. C'est sympa la déco ici, n'empêche. Bah, t'as vu l'entrée quand même magnifique. Attends, nous on la soigne notre entrée, les gars. Bon, je mets de la viande à bouffer, les gars. Bon, bah, y'a deux steaks, hein, vous battez pas. Tata, il va falloir que je quitte et que tu me ravites. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, bah, parce que je peux pas bouger. D'accord, bah, casse-toi.
Je te réinvite. J'aime bien parce que dès que je dis ça, il y a Tortue qui s'approche. Non, oui, je me calme, Tortue. Ça empêche pas que j'ai toujours ma dynamite. Alors fais gaffe. Et on peut pas bouffer les jambes du coup? Bah, ah si, si, tu peux manger. Je pense que on va être obligé de bouffer. Oh, t'es gentil. Du humain, hein. Ah, par contre, moi je suis presque mort donc le problème va être réglé. Hé hey, Tortue, on s'en va en l'air. Ta pousse, tu veux de la bouffe? Il y en a sur le feu qui est juste à droite de l'entrée, si tu sors. Manger. Oui. J'ai fait cuire deux steaks, théoriquement tu devrais pouvoir te servir. Ah gros gros. T'es bien ou bien? Oui. Ouais non, il va falloir que je quitte parce que j'ai même plus de marche avant, j'ai plus que les marches arrière, je suis un crabe. Bon, hé, je suis le seul à le voir ce chariot là qui bug ou... Putain, Wow. Qu'est-ce qui se passe? Il invente une nouvelle discipline sportive. Le ride de... Bon. Il y a un truc qui va pas dans ce putain de... Le surf est sur chariot. Allez, je le sors ce chariot là, il me saoule. Voilà, on le met dehors, on le met dedans. Tétard, faut que tu me ravites. Ah oui, excuse-moi. Vas-y. Invite à jouer, ok, parfait. Alors j'espère que j'ai pas réapparaître dans une grotte parce que sinon je me mets à pleurer. Non, mais si t'as fait ta sauvegarde tout à l'heure, théoriquement c'est bon. Ouais, non, j'avais fait ma sauvegarde. Salut à toi, partir. Mata. Salut à toi, Mata. Non, il y a plusieurs A, faut que tu fasses le A. Je viens de me rendre compte que je suis parti avec le chariot plein de bûches. Ouais, je t'ai vu partir, je me suis demandé ce que se passait. Quoi. Il voulait qu'on soit sa propre baraque, lui. Ah, bah voilà. Ah, c'est bon, je remarche. Je refonce. Les escaliers, mais comment c'est possible? Bleu. Tu peux enlever la bûche, s'il te plaît. Ouais, je vais virer la bûche, t'inquiète. Vas-y, tu peux y aller. C'est trop drôle. C'est trop drôle de voir tout le monde travailler. J'ai l'impression de jouer à Age of Empire en vue subjective. Tu te mets à cul comme ça, ouais, c'est bien impeccable comme ça. Oui, je travaille pas, hein. On va décharger le matos après, ça se passe bien. Bon, les copains, je vais passer dans le village d'à côté, je vais essayer de vous chercher de la bouffe. Ouais, ah bah, je viens juste de le voir, en plus j'allais y aller, mais... Bah viens avec moi, hein, si tu veux, on peut deux à la chercher. Ah oui, j'arrive. Oh, t'es Jean, comment ça marche? De quoi, qu'est-ce que ça fait de faire? Oh, ah bah tu te mets en face, et là, quand ça appuyait sur eux, bah tu appuies sur tout. Voilà. Tout simple. Oh, mais c'est super compliqué, en fait. Ouais, t'as vu ça? Il faut appuyer sur une touche. C'est chaud, hein? Mais bien, c'est chaud. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Non, mais je comprends, c'est le début. Il y a plein de bouffe là! Il y a de la bouffe qui court partout! Et c'est quoi sur R en fait? C'est pour gérer les orienter. Formes. C'est pour orienter, ouais. La bouse. Putain. Ah, ce caillou là, il va me permettre de tuer les lapins facilement. Putain, heureusement qu'il y a des qui bossent, hein. Ouais, heureusement. Ah, on va chercher la bouffe, les mecs, faites pas chier quoi! Eh bah, écoute, je trouve que les livreurs se font attendre, qu'est-ce que je te dis? Attends, il n'y a pas de supermarché à côté, hein. Il n'y a pas un Mammouth ou un Franprix, hein. Pour de bonnes raisons, je crois que ces deux enseignes n'existent plus. Ouais, hein. Ils n'existent complètement. Le mammouth, il a vraiment disparu. Non. C'est terminé. Ah, par contre, je vais décéder. Qui donc? Oui. Moi. Pourquoi t'as faim? Et du coup, on peut pas mettre celles qui sont. Aïe. Oui, ça donne un peu la chiasse, ça. Attends, je l'avais pas dit, mais ça donne un peu la chiasse. Aïe. C'est bon, ça peut pas tuer, je suis bloqué à une certaine chance de vie. Fais gaffe. Y'a qui est à terre là? Oui, il y a quelqu'un de terre. Oh, y'a de l'orage, les copains. L'orage dans l'air. Vous voyez ce lapin là? Vous voyez ce lapin là? Oh, pardon, t'as pas. T'es pas sûr de... Oh, pardon! Putain, j'ai foulé. Je suis désolé, mon gars. C'est à ma femme. Que je l'ai trompé. Il s'est retourné, j'ai mis un caillou dans les yeux. Et j'ai tué c'est le lapin quand même, hein. C'est pour ça qu'il faut jamais partir à la chasse avec Tornip. Faut qu'il toujours l'avoir devant soi, pas derrière. Ah, c'est bon, moi ça m'a régène ma barre d'endurance. Ah, parfait. De quoi tu parles, Aijin? De quoi? Tu l'as marqué derrière, hein. Non, mais il vaut mieux, franchement. Parce que des fois, il va te donner un coup de hache. Ah, pardon, je suis désolé, mais bon, tu l'as pris, quoi. Donc, toujours se méfier du petit navet avec ses longues dents, là. Bah, c'est pas la folie, hein, la bouffe ici, les copains. Bah c'est pour ça que je t'ai dit qu'on aurait dû faire une expédition au cockpit. Ouais, au cockpit qui avait masse. Il a trouvé mon point faible. Il t'a envoyé une balle et puis me faire jouer avec. Attends, vous voyez cet oiseau là? Vous voyez cet oiseau là? Ah, je l'ai complètement raté. Il vole. Alors littéralement. Oh mon dieu, attends, merde, faut ramener les. Jane, toi, Jane. Faut qu'on aille récupérer les chariots. Je crois que j'entends des cris, les gars. Ficelle, il a fait le café en bas. Moi j'entends des bruits de chiens. Moi je commence à rien voir. Y'a des chiens dans ce jeu? Non, je sais pas, mais ils respirent comme des chiens.
Mais c'est moi qui respire en fait. Ah, ah, ah c'était ça. Ah merde. Ah, le malaise. C'est ça. Ah oups. Je suis grillé putain. S'il vous plaît, je crois que cette femme a besoin d'assistance. Quelle donc? Bah je sais pas, mais elle est bizarre. Perturbant de piloter une... Elle a les mains en l'air. Ah oui. Il y a que ça qui me choque. Oui, oui. Les pouces en avant. Le fait qu'elle soit à moitié nue, aussi, par contre, est tout à fait normal. J'ai pris ses... Et avec les côtes ouvertes, enfin... Peut-être qu'elle revient du rêve parti, elle est un peu bourrée, les gars. Ouah, ouah, ouah. Il y a une bouboule. Fuyez. Oh mon dieu, mais comment... Je savais pas que c'était en extérieur, ça. 100% français, la volaille élevée en extérieur. S'il y a les gros, là. Oui, oui, et j'ai mes deux... Il y a Tortue et Tapou qui viennent de se faire défoncer. Alors, je vais voir si je vais réussir à les sauver, mais ça va être simple. Allez, venez. Non, ouais. Fuis. Attends, j'arrive. On n'a rien sur nous, fuis. Oh, cette lettre. Donne-la, Tapou. Mon dieu, il y en a deux. Désolé, les gars, hein, je vous crame. Donc, je vous aime pas, mais... Tu les crames. Il y a deux grosses bestioles. Donc, j'ai balancé un cocktail. Non, ouais, on va les c'est la fin de la vie. Ah, ça, c'était fou. Ils sont en train de les défoncer. Donne cette lettre à Tapou. Dis-lui que... Mais Tapou, il est à côté de toi. Ouais, on est pas obligé de prendre une lettre, tu sais. Démerde-toi. Utilise les Dragon Ball. Tends le bras et fais pas chier. Si tu veux, on te donne deux gobelets et une ficelle, au pire, mais une lettre, c'est chaud. On n'a pas réussi à trouver les balles de pistolet dans le jeu, tu crois qu'on va réussir à trouver Dragon Ball? Tapou, tu m'entends? Attends, j'arrive, je vois Tapou là-bas. Les gars, je vous ai abandonné. Hein. Bah, y'a un truc qui me marche sur la tête de temps en temps. Pas ça? Ok. On va se calmer les filles. Hop là. Mais c'est chaud du coup si maintenant il y a ces merdes en extérieur là. Si ça arrive. Attends. Boum. Je vois tout blanc. C'était complètement fail. Bon, pendant qu'il est pas occupé avec moi, je vais soigner Tapou. Allez Tapou, on se relève. Ah. Voilà. Non, je suis mort en fait. Ah c'est à dire que tu vas laisser mourir et... On va faire déboîter ma gueule. Je vais me casser hein. J'ai une veste, j'ai un costard. Nice. Ah bah ça c'est super. Il me semble. Pour les soirées mondaines, bah justement avec les monstres comme ça. Putain mais il y en a deux mais c'est pas possible. Ah, oui, oui, ah mais par contre j'ai plus de hache. Rentre à la maison. J'essaie de sauver Tapou mais ça a pas super bien marché. Tapou est dead hein. Bah, je suis mort, ouais, je suis à la vie. Ouais mais ça m'inquiète toujours. Tu vois. Mais j'ai rien du tout, j'ai pas de... C'est chaud. Non, normalement vous êtes à poil là les gars. Et vous pouvez juste choper la petite hache quand même normalement. J'ai deux canettes de coca, non même pas. Ah merde, on l'a trouvé dans le macabre là. Bah nos cadavres ils sont à côté du monstre. Oui mais dans le... Quand t'apparaît dans le... Ah non même pas non. Dans l'avion il y avait pas une hache plantée dans une nana? Non. Ah merde. Enfin il y avait la nana mais il y avait un trou. Ah il y avait pas la hache. Merde. Qui a pu voler cette hache? Oh puis on t'en fabriquera une. Quand soudain The Forest se transforma en Cluedo. C'est le colonel Moudard. Ça va. Et quand on peut récupérer son stuff. Donc on doit faire sec. Bah, Nonan, il est lancé en mode automatique. Ah ouais, je suis un bot. Il y a Ficelle aussi, hein. Il fait son taf, quoi. Ouais, ils font leur taf. Putain, il y a un mec qui bosse, mais un truc de taré. Ouais, pourtant, un gros à côté de moi. Oh, c'est normal. Mais du coup, Totor, t'as ramené de la bouffe ou pas dans toute cette histoire? Bah, pas des masses. Ouais, parce qu'on bosse, mais bon, quand même, quoi. Ouais, parce que bon, il faut quand même qu'ils aient à manger, quoi. On attend un minimum, quoi. Alors, oh, pardon, non. Pas de soucis. Alors attends, pop, bonne fée. Comment on fait pour mettre les piliers et tout là? Toute la structure. Les piliers, qu'est-ce que tu entends par les piliers? Ah, récupérer les bûches et puis les mettre. Salut Moupi, bah, là, en fait, c'est les bûches horizontales. C'est le truc un peu casse-gueule en fait, faut que tu montes. Et que t'essayes de voir marquer E et là tu lâches tes putains de... Je veux bien quelques bûches les mecs pour finir les plantations à l'extérieur, je vais commencer à planter des trucs. Bah vas-y, je te suis. Hop. Je les ai mis bien loin de l'entrée, hein, histoire que ce soit bien, bien chiant pour y aller. Ah, merci, cool. Bien entendu. Évidemment. Oh, le lapin, il a cuit instantanément sur le feu de bois que je viens de construire. Tu fais quoi? On les lâche dessus, du coup? Ouais, tu fais E, tu fais E, en fait. Ouais, alors t'en as fait sur deux différentes, histoire de pas le faire terminer. Mec, je suis quand même vénère, quoi. Je prends des bûches, je les transforme en planches, quoi. Ah oui, à main nue. Ça crie. Ah, sa gueule, sa gueule. Mais de très loin. Bonjour à Yalil 2401 et à Mopili, d'ailleurs. Et le skiller. J'annonce, j'aime pas du tout ça.
C'est mon pire ennemi, c'est le docteur avocat. Non, c'est Martine et elle a... Je sais pas. Je crois qu'on a, on en a perdu deux là. Mais qui c'est qui fait une deuxième porte de Martine? Mais qui c'est qui a fait cette putain de deuxième porte? J'ai pas demandé à ce qu'on la fasse. Qui c'est qui prend mon rôle là? C'est pas moi, c'est lui. Oh la balance, mais cache quoi. Je suis pas une balance, je sers mon maître. Du coup, c'est bien. C'est bien. Viens avec moi dans la maison et laissez-nous tranquille 5 minutes les gars. Oh putain. J'arrive maître. C'est Gluck. Ah bah on a jamais dit que ça allait de tout repos. Alors selon toi, c'est dans la moyenne ou pas? Parce que... Est-ce que tu crois que c'est normal ce bouton? Oh putain, il a fermé la maison à clé. Heureusement que j'ai pas de toit. Oui. Là tu l'as verrouillé. Voilà. Ah, c'est comme ça qu'on sort. Merci. Je dis pas de bêtises, mon pilote, je crois qu'on est 6. Je crois qu'il y a quelqu'un juste devant là. Il y a un cannibale aussi là. Mais j'ai pas d'arme en fait, du coup je le regarde et puis c'est rigolo. Démerdez-vous. Ils sont en train de casser la porte là. Oui. Il y a un mec qui est là hein. Ouais bah. Oh putain. Oh la vache. Oh putain, je me fais des waffes défoncer. Je suis pas bien les copains. Ouah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Putain, mais ils sont un million. J'ai pas laissé du soin ici là, c'est ça, j'ai pas laissé du soin. Tiens. Oh putain, les copains, tiens, c'est pas la fête. Tiens. Voilà. Putain, c'est... Moi, on aura de la bouffe, hein. Je vais mettre la tortue, je te veux le picoter le bidou là. Bon, bon bah, qui c'est qui veut la cuisse? Tortue, il est quand même sacrément. Je veux les couilles. Le mec, il tue le mec. Il manque de bol, y'en a aucun. Pas de bol. Merde. C'est des hommes sans couilles. Bon bah, mais du coup, c'est pas des hommes. Je propose qu'on... Peut-être. Ça se défend. Qu'on mange hein, les copains. Ouais bah moi j'ai foutu tous les morceaux de ma cape que je pouvais pas. Ah putain, connage. Ça vous dérange pas hein, si je vous sers du cannibale? Non, ça va aller. Non. Bah, à point s'il te plaît. Voilà. Par contre, moi j'aime bien quand c'est brûlé. C'est bien brûlé. Voilà, bon bah... Tu retires tout le monde quoi. Hey, salut Nightsmile. Salut Nightsmile. Ça faisait une paille. Bon, pendant qu'il fait nuit, je vais en profiter pour réparer un peu tout ce qu'on a pété. Hein. Comment on fait que dehors, il y a une espèce d'horreur cosmique à 8 pattes. Oh, il y a un lapin qui essaie de s'enfuir. Eh ben, il s'enfuira pas. Mangez tout, ça va brûler. Vite, 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 vite. Moi, il me faut de la vie. Vite, vous mangez. Mmh, une bonne jambe. Mmh, qu'est-ce que c'est? Mmh, my big burr. Bien. Wow. Les gars, il y a un truc méchant près de la maison. Il va péter la porte en un coup. Truc méchant. Ouais, pop. J'ai vu. Je crois que je me fais poursuivre par une armée. Non, non, c'est dans la... Oui. Oh putain, mais Ficelle, mais t'es tout seul dehors. Mais attends, et nous on est en train de se goinfrer. Ficelle, il est encore au taf. Mais qu'est-ce qu'ils font, les mecs? Mais vous êtes où? Eh, je me bats maintenant, j'ai un os. Oh putain, y'a du peuple, les amis. Oh, rentre. Fermez cette putain de porte. Ok, les gars. Oh putain, la vache. Il faut monter les copains. On défend les murs. Ok. On défonce le gros. On défonce le gros. Ouais, ah merde, je suis tombé. Oh, tout va bien. Moi aussi. Y'en a un qui essaye de s'évacuer. Oh putain, nos murs ils prennent trop cher. Bah ouais, mais ils font super mal, ces cons. Vous vous souvenez de la fin des deux tours, là, quand les mecs ils sont dans la... Oh putain. Merde. Ça pue. Oh putain. Oh putain, la vache. Je suis pas là. L'ennemi a fait une brèche. Je vais dans la maison, salut. Ficelle, je vais le tuer avec ce nonos. Ficelle, le ficelle il s'en fout, il garde ses bûches dans les mains, il continue à faire jusqu'au bout. C'est la meilleure arme. Je vais essayer de m'en occuper. Allez, hop, allez, recule sale pute, recule. Mais c'est bon, épique. Elle est morte. Next one, y'a un connard là. Bon, je regarde le combat, c'est vachement plus sympa. Ouais, j'ai l'impression de me battre tout seul. On a l'impression que tu filmes en fait, t'es un hippo. C'est la GoPro. Fils de pute. Par contre, faut mourir un moment, monsieur, hein, pour de vrai, hein, parce que là, t'en bouffes depuis tout à l'heure, quand même. Voilà. Bon, bah, on a encore à manger. Bon. Par contre, la porte, faut la refaire, tout à l'heure, là. Ouais, bah, ça tombe très bien, je vais la faire la plus grande. Mais... Oh, putain. Et bonjour à tous, super belge. Et Gelstrid aussi. Bah, salut à tous, merci de venir sur ce live. Live, et oui. Vous allez voir qu'ils vont tellement tout démolir qu'on va se retrouver avec une baraque moins avancée que quand on a commencé, quoi. C'est pas super nourrissant. Il faut la faire en hauteur. J'avoue qu'il nous... Je pense qu'il va falloir effectivement renforcer. Et des pièges. Ouais, mettre des pièges et mettre des murs défensifs. Hein. un peu plus, enfin des... Ouais, des...
Alors Red Wolf, je dirais même qu'ils sont venus pour violer notre navet. Ça peut se réparer les murs. Ouais. Ouais, j'ai mis directement le mec à cramer en fait. Ça marche pas très bien. Je peux pas faire des doubles portes? Si. Et bah voilà, une double barricade, c'est bon. Ah, c'est ça que je voulais faire depuis le début. Putain, ça souffle là. Bon bah bonne nouvelle, normalement on devrait avoir suffisamment de dos, on pourra au moins se fabriquer. Par contre, je crois que c'est Ficelle qui n'a toujours pas d'armes. Ah si, il a sa petite hache. Non, c'est moi qui ai rien. Ah, t'as pouce, c'est toi qui a pas d'hache. Parce que je suis mort. Non, qu'est-ce que t'as fait? J'ai un os quand même. Non, il a pété le plancher. Un os, alors attends, je vais aller te chercher des brindilles pour aller te construire une hache quand même. Bon, comment on fait un étage? C'est pas bon. Mais tu l'avais déjà fait la dernière fois? Ouais, mais je sais plus comment j'ai fait. Hall cutter, custom floor peut-être juste comme ça. Ah oui, si, ah mais d'accord, c'est à ça que ça sert. Tu peux customiser ton floor, t'as vu. Ah oui. En fait, c'est une fois que t'as fait un étage, après tu peux passer un sol direct, quoi. Mais est-ce que je peux faire un trou dans mon sol? Y a un problème, les gars, les portes elles sont fermées. Attends, ah, c'est ballot. Faut pas verrouiller les portes avant de mettre le toit. C'est ballot. Je déverrouille. Et le float, ça marche comment? Pour l'eau, bah il te faut soit de l'énergie drink, soit de l'eau, mais en termes d'eau, normalement il devrait y avoir un petit lac pas loin. Ouais, et par contre du coup, ouais, il faut la faire bouillir, mais on a pas ce qu'il faut, je pense. On a pas de chien warrior, je la bois comme ça. Bah c'est-à-dire qu'en fait, si tu la bois là comme ça, ça te fait perdre des... Ah mais si, je sais ce que... Ah non, mais je peux pas donner d'objets à ta poule. Merde, parce que j'aurais bien... certains objets que tu peux, d'autres que tu peux pas, en fait. Et je peux pas lui donner une arme, là? Ou la faire tomber? Il peut se faire une lance, faut juste que tu lui donnes du bois, à la limite. Ouais, je vais lui faire ça. Faire une lance. Ah, le hall cutter, il faut le faire ensuite. D'accord, une fois que le plafond est fait, je pourrais faire le hall cutter. Plus les pierres, plus des vêtements, parce que je suis pas sûr. Et hop, tiens ta peau. Voilà, je t'ai donné plein de trucs. Merci. Mais de rien. On peut faire une catapulte, quoi, sérieusement. Ah, ça c'est fun. Ça c'est fun. Ça, comme c'est ça, quand fou. À l'arbonné il est pas gentil, boum, dans la cata. Ouais, et tu retournes à l'avion, bam. Et bim, ça t'apprendra, t'es pas venu pour bosser, bim, allez. Ah, j'ai un peu chaud là, je vais pas te cacher. Non. Là, c'est trop bien le marteau, sérieusement. Ah, mais ça fait café le marteau. Oh, ça fait un bordel quand tu tapes dessus. Parfait. Bah, disons qu'on entend que tu répares. N'hésitez pas, les mecs, à construire des trucs, à poser des murs défensifs et tout. Faites-vous plaisir, hein. Oui. Ah bah, ils sont déjà en train, hein, de toute façon. Je lis, désolé. Ils sont déjà partis, là. C'est quand même chaud de gérer plusieurs survivants à la fois, hein. C'est clair. Là, nos chances de survie, c'est pas la... Ouf. Alors, je propose qu'à l'étage on fasse un champ. Un champ oh ou... non. On peut planter des graines et tout. Je viens d'avoir un plantage de ce forest, les copains. Oh non, merde. Ouais. Oh putain, la loose. Moi non plus. Et moi, si je sauvegarde, ça compte pas. Bah non. Oh, c'est notre respawn. Oh non. Ça m'est arrivé une seule fois avant. Ah putain, les bioules. Et deux fois maintenant. Voilà, super. Putain. Du coup, on peut tuer les gens, c'est pas grave. Abusé. Non, fais pas ça. Oh putain. Meurs, Turnip. Tu es en train de me violenter ou quoi? Je dirais pas violenter. Ouais, je me barre, je vais taper un peu Edine. Bah, moi, de toute façon, je vous vois complètement figé en train de faire les cons, alors bon. Faut que je sauvegarde beaucoup plus souvent que ça. En fait, j'ai sauté et je suis mort. À partir de ce moment-là, je suis invulnérable, je suis dans une autre dimension. Vous êtes où là? Je peux vous inviter ou pas encore? Ah bah moi il faut que je me casse. Faut que j'aille dans le menu. Vas-y, tu mets une menu. De toute façon, Peter, est-ce que ce serait pas le moment de faire une petite pause? On va faire une petite pause, je veux juste me reco, vite. Ça marche. Et on va prendre 5 minutes de pause. Non. Puis pour tous ceux qui veulent nous rejoindre sur le Discord, si c'est pas déjà fait, si vous voulez venir papoter avec nous, et puis avec ceux, avec les larbonnés qui sont avec nous, qui ont le courage. C'est larbonnés qui ont le courage d'être avec nous et d'affronter ces monstres. Voilà. Et bonjour à Roderick Trip et à Eldar Knight.
et Gatsrid aussi. En tout cas, bonjour. Bon, effectivement, on a perdu un petit peu 2-3 trucs, hein. Bon, pas tant que ça. Ah non, ah, c'est pas si mal que ça, parce que ce que j'avais pété tout à l'heure, c'est reconstruit. Et ben voilà, c'est ce qui est bon. Donc je vais re-sauvegarder, je vais quitter le truc et on relancera ensemble tous ensemble. Et puis, ouais, ça marche, on va faire ça. Et n'hésitez pas ensuite, vous aussi, de sauvegarder quand vous y serez, comme ça sera fait. Ouais, il faudra que je me... On peut sauvegarder aussi. Ouais, il faudra... Exit to main menu, les copains. Et à tous, on vous dit à tout de suite. Et n'hésitez pas à venir sur le chat Discord. On va passer sur. Les aventuriers du web comme canal. Si vous voulez discuter avec nous. Et moi, je vais aller me chercher un truc à bouffer parce que je suis en train de mourir de faim. Voilà. Et là, à tout de suite, les amis. À de suite. Bon, re, les amis, je fais ça très vite parce qu'on est en train de charger. Et re. Heureux et bienvenue, ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Ah, il est chaud dans moi. Donc les copains, mais vous êtes encore au... mais vous êtes tous ensemble déjà. Je crois qu'on n'a pas du tout sauvegardé nos aventures. Non, c'est chiant. Il faut, il y a en fait une tente là. Dès que régulièrement, il faut penser à sauvegarder, c'est tout. Parce que on n'est pas à l'abri d'un prochain crash. On est 6 à mon avis. C'est pour ça que ça crache souvent. T'sais. Ouais, peut-être aussi. Il ouais. y a des chances. Ouais. Mais bon, du coup, notre base va bien. Bon, ça va, enfin, disons qu'il y a quand même pas mal de trucs qu'il faut construire parce que la base on l'avait bien entamée là-bas. Ouais, mais en fait, après on avait plein de trucs qui avaient pété et moi j'avais détruit, tu sais, la grosse plateforme qui était accolée à la falaise. Exact. Donc finalement, c'est pas si mal. Putain, mec, c'est pas possible d'être teubé à ce point. Ah, custom floor. Je peux pas le poser encore tant que le. Ouais, c'est ça, je m'étais déjà fait la remarque tout à l'heure. Bonjour à toi, Thomas347. Bonjour à toi. Allez, Jean, il va falloir que tu te rapproches un petit peu de ton micro, mon ami. Hop, oh, excuse-moi, c'est vrai que j'étais un peu loin. C'est bon, c'est mieux, là. Attends, je m'agite le marteau, c'est parfait. Je m'agite le marteau. Ça va, les copains, vous arrivez à retrouver le chemin? Ça va? Oui. Il fait tout noir. Ah bon? Ah bon? Non, je suis dans un avion, putain. Ah d'accord, non, bah, bon, alors ça va. Ça va, là. Mais il est con, mon perso, je lui demande d'allumer la torche, il s'allume lui-même. J'ai déjà vécu ça. Ouais, il y a des impressions déjà vues, hein, t'en fais pas, c'est normal. Bon, vous savez quoi, je vais aller chasser comme ça quand je vous accueillerai avec un bon gueuleton. Vous le méritez. Voilà. Moi, je suis en train de sortir tous les chariots parce qu'il va falloir les remplir, les gars, hein, parce que là, ça fait un moment que vous n'êtes pas revenu au turbin. Alors, il va falloir s'y remettre. Tandis que j'arrive avec. Pardon. Exprime-toi. Avec un cadeau pour toi. Super. Qu'est-ce que ça va être? Un cadavre. Ah, j'adore les cadavres. Mais. Perdu. Mais. Pourquoi on me jette des trucs à la figure? Putain, mais il est incroyable cet oiseau, il était insensible à mes attaques. Ceci n'est pas très efficace. Ouah, mais j'ai volé! Ouah, je vole! Dernier, faut que tu viennes me ressusciter, je sais pas pourquoi, mais j'ai décollé, mais comme une fusée. Et attends, je tue un oiseau là. Ah, t'as raison, ouais, toi t'as le sens des priorités. Et ramène ton boule, Totter. Je suis là. Tu m'as ramené une babale, ta poule? Vas-y. Mon dieu. Ternip qui se fait dresser par les larbonnés, on aura tout vu. Tu as mis où? Ok, la babale. Donne. C'est con. La babale. Il est con. Oiseau. Il faut un caillou, donne-moi un caillou. Bah, je sais pas, je l'ai posé devant toi la balle, elle a roulé là. Ah. Je peux tuer un oiseau avec une babale, vous pensez? Non. Si, regarde. Ça fait pas de dégâts les balles. Eh merde. On peut toujours pas les enflammer les balles, parce que eux ils peuvent, mais est-ce que nous on peut? Si, mais ça t'enflamme toi. Bon. J'étais pas au courant qu'ils pouvaient enflammer les flammes les gens, mais. Si, ils le font les cannibales. Si. Ouais, t'as des cannibales et. Ils enflamment les balles, ils te les envoient dans la gueule. Ah, y'a un cannibale! C'est moi. Il est là, oh putain, mais il fait des jumps et tout, le gars. Il a fait un saut, le gars. Oh putain, ils sont trois et j'ai plus de vie, donc Mais pourquoi les cannibales, ils sont en plein jour? Je vais te sauver. C'est la scène la plus ridicule de chasse de l'histoire de la chasse, les enfants. Là, vous êtes en train de témoin de quelque chose de parfaitement ridicule. Cela fait 4 heures que je tourne autour de ce putain de lézard. Ouais, par exemple, c'est pas comme s'il y avait des cannibales dans la maison. Il y en a là. En fait, il y a un camp juste à côté, hein. Je sais pas si vous avez vu. Oui. Ah ouais. Et après, Tornip et il a le don pour choisir des lieux. Il y a deux mecs qui se ramènent vers la base. Ils ont des bras derrière eux, je sais pas pourquoi. Mais ça, ils sont vraiment juste à côté, c'est nos voisins. On devrait se présenter quand même.
On est des cookies. Alors donne des coups de hache. Partie. Bah déjà on va les cuisiner. Et, oh putain il m'a enchaîné. Oh putain d'accord ils sont moult. Oh mon gars. Oh, l'arbonnet to the rescue. Au secours. Au secours. Au secours. Protégez-moi. Il y en a quelques-uns quand même. Oh putain mais donne-moi ton collier de DVD. Je suis sûr qu'il y a du porn dessus, vas-y donne. C'est des collecteurs bordel de merde. Vas-y. Allez là. Ah lui il est pas. J'ai l'homme au DVD. Il y en a deux autres là-haut. J'ai l'homme au DVD. L'homme au DVD. Je le pose dans la maison. Ça. Ouais, mais de toute façon on va les découper pour les bouffer hein, les gens. Il y en a deux autres qui arrivent sur ma gauche. Le live Red Wolf il se termine vers minuit à peu près. C'est ça. À une vache près. Je suis en train de décéder là, on est tous d'accord. Bah attends, je prépare la tambouille, mais il me faut le temps de découper là. J'en ai mis quelques-uns à cuire déjà. Il y en a un au fond qui nous regarde discrètement. Il hésite, il fait. C'est un peu détaré quand même, ouais, je vais peut-être pas y aller tout seul. Ah, il se penche, il court. Vers son camp. Ah non, vers moi. Il a les bras derrière le dos. C'est pour une tortue. Putain, mais il y a Shiva et les 10 000 bras. Hein. Putain, j'ai eu un. Il y a un bruit de tempête là. Ah c'est dingue. N'hésitez pas à aller sauvegarder. Hein. Je vais re-sauvegarder. Qui a besoin de soins? Moi. C'est qui? Ça marche Adwolf, c'est moi. Pas de soucis. C'est moi. Non fait quoi des corps sans moi? Mais tu t'appelles comment? Moi. Mais c'est Joule. Merde. Je m'appelle Joule. Je m'appelle Joule. 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 Oh. Ça me fait trop plaisir d'avoir autant de monde sur cette map. Bah ouais, ça fait plaisir, ouais. Ils sont extrêmement beaux, mais tout le monde se ressemble. Ah, tu me donnes quelque chose, tortue? C'est pour les gens qui ont besoin de soins, dégagez. Le bon médicament. Tu veux du soin? J'adore le paracétamol. Tiens, prends du soin. Comme ça, l'arrache. Attends, faut que je jette ça. Et tu fais ça comme un homme, tu prends pas d'eau, tu vois, avec. C'est du paracétamol. Tu la pharmacie. Sniff. C'est rien. Regardez, j'ai un cul de jatte. De jatte. Bon, bah, en tout cas, les enfants, il y a à bouffer pour tout le monde là. Allez, les larbonnés, on vient se nourrir, on vient manger du cadavre un peu. Allez. Nom 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 nom. Voilà. Oui, alors mettez vous pas les pieds dans le feu tout de suite. Vous brûlez pas, bah oui. Vous avez mangé trop vite, les enfants, c'est n'importe quoi. Attention. Pour avoir le hockey. Voilà, mais Tapou, t'es un peu trop on fire à mon goût là. Ficelle, il met un macabre entier direct. Tapou, il essaie d'éteindre le feu avec ça. Ça passe. Il perd son duel contre meurs pas. Le feu. Je meurs pas. Tu perds ton duel contre les éléments, Tapou. Ça marche pas comme ça, Tapou. Tapou, tu brûles. Pardon, tu t'as foutu un coup à Tapou en passant avec ton katana. Je suis désolé. Je suis en train de découper un mec. Voilà, il y a à bouffer. Voilà. Puis en plus ça nous fera des os si on bouffe pas le reste. Bah voilà, on est bien. C'est bon, je me suis éteint, je suis dans l'eau. Ah bah t'as bien fait Tapou, t'as bien fait. Je me suis éteint dans les deux sens, hein. Je suis presque mort. Ah oui d'accord, ok. Alors mangez un coup puis allez sauvegarder les copains. On sauvegarde comment? Tu vas sur la tente et t'appuies sur C. Ouais, il y a une tente là. Oh oui. Voilà. Hop. Voilà. Sur C. Et aussi les copains. Que dans le pigeon. C'est dégueulasse. C'est mieux. Et merci TLD Janel 59 pour ton follow. Merci. Je vais commencer à installer l'étage. Installons. Comment on fait les... Ah mais il y a déjà deux traîneaux, trois traîneaux. Comment je vais faire mon histoire là? Bon bah moi je vais aller chasser. Va donc. Je vais aller chasser. On est là-bas. J'ai l'impression d'être dans Dead by Daylight là. Lapin. Oh, le gazebo, ah ouais, on va faire comme ça. Tiens là, lapin. Je l'ai perdu. Merde, j'ai perdu ce connard de lapin. Bon, tortue, fais pas le con. Ne fais pas peur aux animaux de la forêt. Chut, coupé.
comme ça. C'est bien. Là, on est en armée de chasseurs. Il y a un lapin. Pas une très bonne idée, mon histoire. Je sais, mais j'essaie de le voir, mais je le trouve pas. Il est là. C'est plus mauvais. On est les plus mauvais chasseurs du monde entier. C'est parti. Merde, il s'est téléporté, le con. Merde, il est là. Suce au lapin. On est trop mauvais. Le lapin, il nous esquive, il nous regarde, il fait « You mad, bro ?» N'importe quoi. Le lézard, un gros lézard comme ça, il y a peut-être moyen, c'est négociable. Et là, connard de lézard. Un doute, là, dans mon histoire. Merde, je pensais l'avoir. Mais d'où ils courent super vite, les animaux de la forêt, là, c'est n'importe quoi. Putain. Bon, je vais apprendre. Essaye sur les mammouths, ça devrait aller moins vite. Ouais, je pense que les mammouths, ce sera mieux, là, parce que, alors là... Tiens, viens, la bâtard. Viens. Alors après, il faut inventer une machine à voyager dans le temps. Oh, mais tu sais, on a des racines, du bois, ça va, ça passe. Bon, tiens, à ce moment-là, machine dans le temps, on le fait... Ouais, j'ai cru que t'allais faire la blague, on a des racines et des ailes, mais... Non, mais non, mais non, c'est une marque déposée, je fais gaffe, quand même. Ah oui. Fais attention, là. Puis franchement, tu vas face à un tribunal parce que t'as chouré le copywriting de, des racines et des ailes. C'est la loose, quoi. Ça craint. De crédibilité. Vous avez tout ce que vous voulez, vous avez... Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bah là, c'est ça, ça. Mais putain de lézard de merde. Il me nargue. Il me nargue. Ce jeu de moi. Là, les amis, en live, vous êtes en train d'assister à quelque chose de très approximatif. Mais y'a un problème avec mes escaliers, là. Il y a toujours des problèmes avec tes escaliers, tout ça. Je comprends rien à ce putain de système de construction d'escaliers de plateforme, là. On est assez haut ou pas, là? Sinon, je suis juste une plateforme, là. Construis-les un par un, peut-être. Il y a un meilleur outil pour couper du bois? C'est particulier, ce que je viens de faire. La tronçonneuse. Ouais, tu parles dans la vie de tous les jours, ou... La dynamite. La dynamite, ça marche très très bien, dans ce monde. Mais il faut en avoir. Ça marche très très bien. Ah, mais d'ailleurs, du coup, on a plus nos dynamites. Non, non, t'en es en retard. Je vais les re-sauvegarder moi maintenant que je viens de faire ça. Ça met 3 plombs avec l'âge de départ. Il y a un duel épique où il y a un lézard qui tourne autour de moi et j'arrive pas à le toucher. Ah, ah ça y est. Je l'ai vécu ça tout à l'heure. Oh putain la vache, il tourne autour de toi et il te troll et il fait. C'est Igoto qui se moque de moi, joyeusement. Enjoy. Bon, on verra. Il va falloir amener pas mal de bûches, les copains. Il va falloir toucher. Bah maintenant il y a des bébés aussi qui sont envoyés là. Bon, ça n'a plus aucun sens, ce jeu. Alors là, moi, je suis tranquille au niveau de la côte, là, tu vois. En train d'essayer de tuer du lézard, quand soudain, un bébé. Ah oui, mais c'est des bébés de la côte, ça, c'est normal. Hop là, c'est... petit bébé. Normal, mais... les bébés de la côte. Les bébés de la côte. Classique. C'est un peu émission de télé-réalité. Je sais pas pourquoi. Oh, putain. Vous rendez compte, les mecs, je crois que c'est la première fois que je viens avec vous couper du bois. Vous vous rendez compte la mégalomanie du gars, quoi. C'est la première fois que t'es utile, quoi. Moi j'ai coupé la masse d'armes mais j'ai rien ramassé. Allez, ça... Tiens, je te file du bois. Il n'y aura plus jamais d'armes dans cette forêt. Si, il commence à repousser déjà les petits arbustes. Mais si, ça passe. Il faut couper les pousses. Les souches plutôt. Non, non, coupez vos pousses. Ouais, on te regarde faire. Non mais les pousses d'arbres. Ouais mais les pousses après ils repoussent pas du coup si on coupe les pousses. Mais justement. Qui c'est qui m'a tombé? Putain je me suis pris un arbre alors... sur la gueule. Alors je peux tout t'expliquer. Je peux tout t'expliquer, je suis désolé. Oh putain Totter t'es mort. Enlève-moi, enlève-moi, c'est qui a fait ça? C'est fait, c'est moi, tiens j'ai un médicament. Tiens prends le mien, il est mieux. Prends ton médoc, merci. Je te remercie pas Tapou, je te remercie pas. Si tu pouvais être plus comme... Si tu pouvais plus être plus comme Tortue, hein. Non. Tu peux être la moitié de l'homme que tortué, hein, Tapou, hein, poussé, toi. Le double. Regarde, il essaie de donner son truc à des gens, personne ne le veut. Tiens, porte ses bûches. Il se barre. Oh non, pardon, Tapou, reviens. Tapou, non, putain, il va se noyer. Ah mon dieu, mais... Regarde ta mère. Bon, Tortue, tu le ramènes à la maison, tu lui dis qu'on mange dans une heure, hein. Ouais, hein, puis qu'il arrête de faire la gueule 5 minutes, hein. Faire du boudin, ça va bien, mais il y a du taf. Alors, hein. Tu pétais dans l'eau, ça fait des bulles. Fais gaffe, il y avait Tapou, quand même. Il y a Tapou et Tortue qui batifolent dans les marécages. Eh bah, ben, écoute, hein, la nature trouve toujours un chemin, visiblement. Boop.
Tu peux charger Jin si tu veux. J'arrive. Quand vous passez au camp, pensez à sauvegarder. Ça prend 2 secondes et ça évite les mauvaises surprises. Les maladies. Ça évite les maladies, ça. Ça éloigne le message. Sauvegarder peut protéger les cancers. Pardon ? Non, vite, remonte ! Merde. Ficelle ? Qu'est-ce qui vous arrive, les enfants ? Ah, si, j'ai réussi à le buter. Le con, il s'est noyé ! Plus 0 jour. Ça fait pas beaucoup. Faut vraiment qu'on arrête de mettre des feux sur le chemin. C'est toujours plus que moins 1. C'est pas super pratique. Non, je veux. C'est la pire idée du siècle. Je viens à dos de biche. Non, elle s'est barrée. Je crois pas qu'on puisse en mettre. Tu viens à dos. Moi, je dompte les biches. Marc, ça va stylé. Ça va bientôt être la nuit, les amis, et vous savez ce que ça implique. Qu'on va se faire des bouillies notes, ouais. Des feux d'artifice. Des feux d'artifice. Des marshmallows. Des feux le chalet. Okay, moi, je décide de me casser. Hein. Il y a trop de trucs chelous, là, parce qu'à la fin... Je joue bien, mais... Je vais charger ce chariot, et puis après, je vais commencer à mettre des trucs un peu défensifs autour de chez nous, là. Est-ce qu'on n'irait pas dans la grotte magique avec le bunker pour faire la fête? Pourquoi pas. Gros stuff. Moi, j'aime bien. Grosse ambiance. Ah bah, il y a de l'électricité, là-bas. On va vite se faire chier, les copains. Il n'y a plus de meufs, plus de boissons. Ah, moi aussi j'ai des boissons qui en veulent. Je crois qu'elle allait dire, moi j'ai des meufs qui n'en veulent. Et je l'ai ramassé tout à l'heure, ni deux. Il y a Red Wolf qui nous fait une remarque extrêmement pertinente. On n'a pas changé de chan sur Discord. Ah oui. Bah, ouais. Je vais prendre 30... ça, tu peux faire la bascule, Edgin, s'il te plaît. Pour éviter que je fasse du back Windows. Ça va, top. Je suis un peu bloqué. Comment tu fais pour tous les mettre? Tu fais un glisser-déposer, un par un, c'est vrai. Putain, mais heureusement qu'il y a des abonnés ce soir, parce que sinon, mon niveau technique, je fais que de la merde. Hein. J'oublie tout. Voilà, c'est bon, tout le monde dit nier. Tu gères. Mais je pense même pour toi, c'est mieux Red Wolf, parce que du coup... parce que tu devais bien nous entendre là juste à côté. Juste en double surtout. Êtes... Ah oui, juste en double. Ils sont gentils mais avec du décalage derrière. C'est pas trop... Bon, ça font chier. La... Il y a des lapins qui traversent les rochers. Je commence à en avoir plein le cul là sans déconner. Putain de lapin de merde. Alors. Custom floor. Non. Je peux pas le mettre là. Si. Bah par contre, vous avez toujours. D'accord. Vous avez toujours. Pourquoi il y a un cadavre? Mais pourquoi ta poutre est décédée? Ah non, c'est bon, il est revivert. Il était mort. Je vais mettre un feu de camp là, parce que comme depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de se bouffer les feux de camp. Et merci PGX Masdark pour ton follow. Merci. J'ai mis autant galéré pour un pseudo, je crois. Est-ce qu'on ferait pas. Il a ce lapin là. Est-ce qu'on ferait pas un autre truc pour sécher de la viande là? Parce qu'ils m'ont cassé ces cons de. Oh, je l'ai buté à travers le bois. Oui, si. Sur Discord. Ah. Heureusement qu'il y a un truc qui vole. Ah merde, putain, mais c'est pas possible d'être une merde pareille. Non, mais pourquoi il est. Pourquoi bah non, il est pas mute. Qui est mute? Que ta poule? Si, non, il y avait pas que ta poule là. Je suis en train de démute au fur et à mesure. Il y a un autre problème. Voilà, c'est bon. Oui, c'est sur le Discord. Host not responding. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est quand il fait un back Windows. Bon, par contre, faut sortir les chariots, les enfants. Allez, je vais sauvegarder un petit coup, là. Ah, bah, je vais sauvegarder juste derrière toi. C'est bon, les chariots. Faut sortir les chariots, les enfants, et voilà. Oui, papa. Il est passé où le cadavre dans la maison? Bon, par contre, on ira couper du bois le jour. Ouais, parce que là... Il y a moyen de se faire un petit casal, là. J'ai des lézards, du lièvre, ça change quoi. Ah bah voilà, la salam. Ah bien joué, bien pensé de mettre le feu. C'est vrai qu'on a tout cet espace là auquel on pense pas forcément. Voilà. Et si on se faisait des petits bancs et tout, on va pas avoir de bois malheureusement. On se raconte des histoires qui font peur. Ouais, on va faire ça. Ouais. Mais c'est l'histoire d'une biche, elle tombe, et elle se transforme en zombie. T'es un ouf, mec! Raconte pas des choses comme ça! Fais vraiment du rêve! Vas-y, t'as une histoire! Pourquoi j'arrive pas à ouvrir mon putain de bouquin là? Ah.
Il faudra amener quelques bûches, quoi. Ouais, bah, je vais sortir. J'y vais de suite. On sera bien, là. Salut, Tortue. Attends, j'y vais avec Tortue, J'ai pas laissé une tortue toute seule dans la forêt. On n'est pas cosy, là, quand même. Y a du bruit. On n'ouvre pas les ciseaux. Ce que j'aime pas, c'est qu'on regarde. On est quatre, on ouvre pas la porte. Non, mais montez sur les escaliers, on va les regarder, c'est mieux. Ouais, attends, ouais, je te suis. Spartiate, quelle est votre profession? Dans ton cul. Ouais, je travaille la compta. moi je m'appelle Valérie, je suis gestionnaire d'entreprise. Moi je suis en stage là, je suis arrivé il y a deux semaines, on m'a pas expliqué qu'il fallait. Regardez un audio. J'ai pas compris. Pourquoi tout le monde est à moitié à poil? Parce que t'es un guerrier. Je travaille à la poste de Saint-Cyprien. C'est quelqu'un qui a posé ce totem là? Non, je pense pas. Et les mecs ils sont installés un totem mais genre à 2 mètres de chez nous quoi, c'est l'humiliation. Ouais bah nous on peut très bien aller dans leur village et poser des totems, hein, ouais, faire caca sur leur mur, ça leur fera la bite. On peut aller dans leur village et construire une muraille autour. Ah ça c'est pas con, comme ça en fait ça nous fera un petit vivier d'esclaves, on ira chez eux, on les butera puis on les bouffera. Faudrait faire un sas, tu sais. Ouais c'est clair. Y'en a un, attention. Oui je vais fermer la porte puis voilà. À gauche tortue. J'ai failli fermer la porte sur la gueule à tortue, dis donc. Eh mais attends, je suis mort dans l'eau, moi je vais aller dans l'eau. C'est moi ou je suis tout seul dehors là? T'es tout seul dehors. Non, d'accord. Okay. C'est effectivement toi qui es tout seul. Non, j'arrive, j'arrive. Ah non, touche pas à ma maison. Il y avait de... Je vais chercher des bûches. Ah bah, il y a quelques bûches qui traînent. Combien il te fallait de bûches sur le totter? Bah, il en faut deux par siège. 6. Et tu comptes faire combien de sièges? Bah, il en faut 6, ouais, j'ai fait 3 sièges, je crois. Donc, si. Je suis seul à avoir du feu dans le biome neige. Avoir du feu dans... Genre, je vois du rouge depuis ici. Ouf. Comme des braises. Ah ouais bah, je vois pas. Ah si, y'a vraiment un truc. Y'a un truc qui clignote là-bas. Exact. C'est trop cool. Putain, on se croirait dans le 13ème guerrier avec le serpent de feu. Ouah, sur la classe, honneur. Ouah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? J'avoue, c'est chelou. Putain. Ah, mais ça se trouve, on est en train de. Juste un bug graphique, mais c'est marrant qu'on voit tous quoi. Ouais, c'est moi, je pense que c'est une frontale. Non mais bah en plus ça a l'air... Y'a un mec qui fait tranquille de la spéléo là. Ouais les gars, c'est super. Non mais j'étais parti chercher... Une GoPro. Qui est en train de mourir là? Je sais pas, tout est gris moi. Pendant ce temps y'a Nonan et Ficelle qui sont en train de massacrer une pauvre nana. Bah y'a Nonan qui est décédé si il dit que tout est gris. Non ça va, je suis toujours debout. Ah bon bah ça va là. Oh j'ai remis un bon morceau là. Un bon morceau là. Alors la bouffe elle a quasiment cramé les copains. Va te régaler. Moi je te le dis, franchement, c'est de la viande, je peux te dire, c'est de la limousine, tu rigoles pas. Oh bah non, bon, on a pas de bûche encore, c'est ça le délire. Bah attends, avec un. Ah si t'en ramènes, super, tu gères. Je suis dessus, j'y travaille. Malheureusement j'ai plus de dynamite. Pensez à faire un petit tour à la sauvegarde les amis. Autant pour moi, j'ai de la dynamite. Attention, je vais faire une sauvegarde. Et attention, ça va péter. Qu'est-ce que tu fais? Tortue, pousse-toi, tortue! Voilà! Mais qu'est-ce que t'as les mutants, ils ont la tête dans le cul! Voilà! Tu vois, tortue? Là, ça va plus vite comme ça! Ouais. Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai niqué sa race à Mère Nature! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'il a fait chier Mère Nature! Parce qu'on a j'ai hâte qu'on puisse fabriquer des cargos pétroliers! Eh oui! Ah moi aussi, putain, je me demande quand c'est ce qui va arriver la mise à jour. Ouais, franchement, ça va être ultime. Comment on fait les flèches, les gars, vous vous souvenez? C'est les ça. Flèches, alors, beaucoup des bâtons et des plumes. Des plumes, beaucoup. Ah oui, des plumes, bah oui. 5 plumes et un bâton, et ça fait 5 flèches. Pourquoi je vais perdre la vie? Ah merde, j'ai faim. Boulé. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, attends. Hop là. Mais non, putain, mais je suis con, c'est 5 plumes et un bâton. Et ah, je mets tout. 3, 4, 5. Ah, c'est bon, je suis bien. Bon, j'ai 15 flèches. Je pourrais me cacher en haut de la base et vous tirer des flèches dessus quand vous m'énerverez. On a un invité, il aimerait venir chez nous là, visiblement. Demande-lui comment il s'appelle. Ah oui. Mais moi, c'est Gérard. Oui, il s'appelle Gérard. Ah, j'ai pas entendu Gérard, j'ai entendu. Ouais. Mais dans sa langue, peut-être ça veut dire. Ta mère, Gérard. Mais arrête!
Ta gueule, Gérard, ta gueule. Merci, Jean, pour l'humour. Ne veux que moi, je reviens. Mais de rien. Allez, tous ceux qui sont dehors, là, venez rentrer. C'est l'heure du goûter, c'est l'heure des histoires. Allez, ça va être l'heure. J'amène Gérard dans l'eau et j'arrive. D'accord, ok, ça va. Tu mets Gérard dans l'eau. Ou sinon, fais donc cramer Gérard, ça lui fera les pieds. Espèce de pute. Excusez-moi. Non, mais. Il a pas de mal. Si. Hop. Et hop. Les cas, ils sont. De toute façon, regarde, tu vois, on pourra se raconter des histoires d'horreur. Regardez, Ficelle est en train de regarder une pierre. Oui, c'est bien une pierre. Pierre. J'avais un doute, mais finalement, c'est bien une pierre. Oui, c'est bien de la roche. Gérard, quel était le nom? C'est bon, Gérard. Gérard est terminé. Gérard est parti, n'est plus avec nous. Allez. Pendant ce temps, je vais tapoter un peu les murs. Voilà. Une fois. Bon. Voilà. Il y a des os à côté du feu. Voilà. On va sortir toute cette merde. Alors par contre, je crois qu'il faudrait 6 bancs parce que je crois que c'est une place. Ah merde. C'est pas 2 places, normalement on peut pas se mettre dos à dos là. Bah je sais pas, mais ça me paraît. Il a rapporté du rab. Ah bah impeccable. Tortue, il a rapporté la forêt. On peut également faire des chaises si vous voulez. Je vais faire mon trône quelque part. Et... Ah, je vais être bien. Ah bah tu m'en feras un aussi, Totor. Ici là. Juste ici sur le perron. Voilà, mon rocking chair. Oh, il faut 30, oh, il faut 30 rebrindis, dites donc. 30 rebrindis. Ah bah, on peut s'asseoir sur les genoux mutuellement. Il faut tes rebrindis. Bah oui, tu vois. Et qui vient sur mes genoux. ça devient débile. Pense-t'en, non, mais hésite, voilà, mets une jambe dans le feu. Viens, tortue, viens. C'est la contribution. Tiens, il y en a une deuxième. Non. Bon, j'arrive, Tapou. Ah. Oh mon dieu, le permis de Tapou ont fusionné. Ah, mais tu l'as trouvé la lampe torche, Tapou, visiblement. Tiens, Jean. Oui, puisque. Alors. Je suis dans les fondations, aidez-moi. Ah. Non, c'est pas ma lampe torche. Aidez-moi. Ah, mais un tortue, t'es dans. Aidez-moi! Tortue, t'es Kevlo! On l'a mis en prison! S'il vous plaît! Je sais pas quoi faire! Bah écoute, on a pas le choix! Hein. Bah, lui nique sa mère là-bas! C'est bon, stop! Oh putain! Fallait pas taper autant, les gars! Le truc s'est tout pris sur la gueule! Bon, faut que je construise ça, bravo, merci! Bon. Personne parle du pauvre. Eh mais y'a une tortue, il s'est fait achever. Je crois que ta poule il a achevé tortue. C'est le truc, il est arrivé. Ta poule il a susurré longue vie au roi. Ouais, c'est ça. Putain, vous avez pété l'escalier et le. Ah y'a tout qui s'est cassé et la gueule. Plateforme, quoi, les gars. Ah non, on a fait du bon boulot. Ouais. À cause de moi. T'es le héros que Gotham mérite. Ah putain, c'est clairement ça. Ah putain, la vache. J'ai un peu fait de la merde, là. Oh putain. On était si bien, là, à se raconter l'histoire au feu, il a fallu qu'il y en ait qui se mette tout seul en prison, qu'il puisse plus sortir. C'est ça. Il va falloir le laisser, au pire. Il est puni. On lui redonne un bon match. On va attendre que tu crèves de faim et soif. Tu restes là, d'accord? Alors, les gars, j'ai ramassé un lapin, je le mets où? Et tu peux pas le mettre dans... Bah, non, dans je la le tiens par les oreilles. C'est notre mascotte, remets-le dans la cage. Ok, d'accord. Parce que j'avais buté. Là, j'ai failli le manger. Vas-y, Timmy, il a vécu des moments intenses. Ah, il a failli sur... on peut pas l'appeler Duracell? Si tu veux. Duracell, bah, je sais pas. Ouais. Vous avez des brindilles pour finir mon siège? Peut-être. Non, mais tu me casses les couilles. Bonjour! Ah, ça va, Tortue? Non. Qu'est-ce qu'il raconte nous? Alors, comment ça s'est passé? Tu vas pas me croire! C'est bon, ton siège il est bon. Merci. Alors j'étais assis. Il était assis quoi. Ni deux, je me prends des buts sur la gueule. Ah. Attends, normalement je peux fusionner. C'est triste. Et là tout d'un coup, tu t'es retrouvé à ce que des gens te fracassent la gueule. Exactement. C'est qui est en train de crever là? C'est pas moi. Mais Tapou, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, il est mort. Mais Tapou, je croyais que les escaliers étaient finis et j'ai voulu marcher dessus. Regardez, je vous montre. En fait, j'ai fait ça. C'est quoi ça? Et là, et là, ben voilà. Ouais, et paf, c'est ça.
Sauf que là, je suis pas mort, je sais pas pourquoi. Là, t'es resté en vie. Ouais, c'est la chronométrie des nouvelles semelles de Geox. Ça amortit bien, c'est les coussins d'air, ça. Oui, avant, je suis désolé, effectivement, mes escaliers sont pas tellement aux normes encore, mais ça va venir. Mais c'est pas grave, il faut sauter pour venir là. Ça passe. C'est grâce aux nouvelles babouches. Nouvelles babouches. Double épaisseur. Bon, mais les copains, le soleil va se lever, on peut retourner couper du bois. Plus ouais. Épaisse que les couches pampers. On va pouvoir. Voilà. Oh là, mais j'en ai marre. Telle est la question. Et bam. Oh, il est mort lui encore. Mais putain, mais qui c'est qui arrête pas de crever en boucle là, debout. Putain, mais comment vous voulez bien travailler si vous faites que crever là, les larbonnets là, c'est pas possible. Les larbonnets. Les larbonnets. Mi larbin, mi abonné. Les larbonnets. Allez. T'es con quoi, Tortue, c'était marqué dans le contrat, hein. Bah ouais. Tu sais pas ce que t'as signé, mec, hein. Je crois que à la fin, on prend votre âme, hein. Merde, gars. Putain, j'ai essayé de faire un... Et cool. Attends, je crois que j'ai pas d'âme. Non, mais tu sais, on... Je suis roux. Je suis roux. Il est con. Ah, mais t'en fais pas, en creusant, on trouve toujours. Creuse plus profond de moi. Oh oui. Allez vous creuser mutuellement, s'il vous plaît, les copains. Ok. Oui. Jusqu'à ce que je trouve le pétrole. Vas-y, viens. T'inquiète pas. Bon, attention. Derrière ce rocher. Ah. Il y en a un petit OMG. Long. OMG. Quoi? Ça me tombait dessus encore ou quoi? Non. Ah, il y a quelqu'un qui a gueulé. Ah oui. Qui a dit A? Ah bah, Ficelle, B. Fais gaffe, Ficelle, t'es tout seul et puis je crois. Mais c'est Denis Brogniard. T'as des copains. Eh, hey, bonjour madame. Comment ça va bien? Bon bah elle marche tranquille. Bon bah les gars, je vous présente Sylvie, c'est la secrétaire, voilà. Salut Sylvie. Bonjour Sylvie. Nickel, c'est que salut Sylvie, ça va? Ah bah finalement Sylvie démissionne. Bon. Je la comprends. Nickel, merde. Vous avez pas vu. Au revoir Sylvie. Mais on a pris qu'un seul chariot, putain, on est con. Wow. Je vais ramener des chariots, les gars. Je crois que ça a été le décès. Ah non, Sylvie va bien. Sylvie, tu sais esquiver la dynamite. Pourquoi Sylvie, tu tournes autour sur Sylvie, la pauvre. C'est comme ça que je renvoie les personnes inutiles. Elle vient juste d'arriver, elle a même pas eu son badge d'entrée. Qu'est-ce qu'il vient de se produire là? C'est ça. Ouais, mais elle coupe pas de bois et puis elle fait courir, moi, enfin. Salut Sylvie. Au fait, pour ton augmentation, viens la salope. Eh hey, machine, viens. Eh hey, cours pas. Tiens, je t'augmente ton fion. Je sais pas quoi. Non, bah, en fait t'as rien, donc pourquoi tu fais ça? Ça va pas être hop, possible. Hop, pas en tortue. J'ai coupé sa tête. Hey Jean, viens là la tête. Charge-moi de chariot, s'il te plaît. Ah, je préfère. Allez. Regardez, hein, je coupe du bois avec vous quand même, putain. Il est déjà plein. Les gars, Sylvie elle est devenue chauve, je vais couper la tête. Oui, c'est ça. Bon, mais c'est à la mode, t'inquiète, t'as bien fait. Non, mais c'est vrai. Ils sont reliés. Oh fuck, là. Y'a quelqu'un qui se prend un arbre dans la gueule, là, non? Ah oui, je vois Sylvie, oui, je la vois, oui. Oui, je vois Sylvie. C'est ma boule de cristal. C'est ça, c'était tellement ça. Je vois, je vois. J'allais le dire. Tu as lu dans ma boule, connard. Allez, hop. Oh, et oh. On partage ses boules avec les autres, hein. Avec ses petits connards. Non, c'est mes boules. S'il veut lire dans tes boules, il lit dans tes boules, merde. Voilà, hein, au bout d'un moment, un petit peu de solidarité, bordel de merde. Bon, on a trois chariots de plein, là, non? Excuse-moi, ouais. Je me suis mort par un serpent au niveau du pénis. Tu pourrais extraire le venin? Bah, Turnip est très doué pour sucer le venin. Turnip, tu t'en s'occupes. Je suis insensible, surtout, c'est ça qui est bien. Eh oui, c'est ça. Enfin, sensible ou pas sensible. Mais ta vie, tu vas avoir une surprise. Et hop là. Merde. Il est très mal garé ce truc. Putain, t'as fait de la merde, Totor. Attends, non, c'est pas que c'est qu'il y en a un devant là. Hop, parfait. Alors maintenant, but du jeu, on va essayer de ne pas tomber. Putain, je suis tombé. Oh, il pleut. Non, mais t'as pas besoin de te mettre si proche en fait. Faut juste que tu sois à ras des escaliers. Bonne nouvelle, il y a peu de chances qu'on se retrouve coincé maintenant là-dedans. C'est la bonne nouvelle. Alors, faut que je fasse l'escalier maintenant qui manque.
Et c'est là où je regrette avec toute la flotte qui a pas tombé depuis tant qu'on joue de pas avoir buté Tortue. Ouais mais on en avait une mais il... je crois qu'il y a un mec qui a pas aimé. Ouais. Parce qu'il faut qu'on récupère le truc qui a sur. Les gars, on va tuer Tortue, on va prendre sa carapace. Quelle Tortue? Bah on hésite encore. On va pas te mentir. Écoute, tu nous dégotes ta sœur et on te laisse tranquille. Ok. D'accord. Sacrifice sa sœur. Sylvie, excuse-moi, tu peux me prêter ta carapace? Je suis vraiment désolé. Si des potes. Vas-y, tu me dépannes une carapace, s'il te plaît. Vas-y, je te suis. Ouais, je te la rends plus tard, t'es caté. Vas-y, t'inquiète. Ouais. Ok. Une canape de carapace, ça touche le monde entier. Attendez, me passez pas devant, je suis en train d'essayer de poster un escalier là. Oh merde, il a fallu qu'il le pose comme ça, putain. Bah, de toute façon, tu vas nous refaire un double escalier comme t'as fait en bas. Bah, je sens que ouais, parce que là, j'ai pas trop le choix, malheureusement. Ah, là, c'est pas mal, là, je pense. L'escalier ça fait passer les chariots, c'est cool. C'est peut-être pas trop mal ça. Ah, ça c'est pas mal ça, ouais. Ça c'est bien. Je vais commencer non, pas bien. À faire le deuxième étage là. Ça c'est cool ça. Notre HLM. Tether, tu penses à sauvegarder? Ouais, j'ai sauvegardé là tout à l'heure, faut que j'y retourne. Mais... Je fais juste mon petit trou là. Fais attention, Edgen, il manque un trou là. Ouais, j'ai vu. Je me suis fait baiser. Des petits trous. Et faut faire attention dans les trous dans lesquels on tombe. Si je fais E là, c'est la fin du monde ou pas? Oui. My god. Oh putain. Turnip, qu'est-ce que t'as branlé, putain? Mais c'est pas de ma faute. J'ai voulu faire un trou dans le plafond pour pouvoir... Mais comment ça c'est pas de ta faute? Tu sais, je vois un seul mec qui est dans la maison, tu vois toutes les bûches qui volent en éclats. C'est pas moi. Il y a eu un courant d'air, j'ai oublié de fermer la porte et patatras. Je pensais pas que ça détruirait tout, je pensais que ça allait juste... Le mec il se cache en fonctionner. Dans son bouquin du coup, tu sais. Putain, le gars, quoi. C'est pas moi, je lisais. C'est bon, j'ai la tortue, je répète. Putain, fais chier. Ah, bien. Impeccable. C'est une Galapagos. Attendez, non, stop. Construisez pas, ça va pas le faire comme il faut. Le mec, on peut pas lui faire confiance. Mais non, ok, la dépop, je répète. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai tapé la tortue à la dépop. C'est pas simple, cette histoire. Putain, mais t'es bon. Ça, c'est le problème. Dis ouais. Y'a pas des jumelles dans ce jeu, là? Non. Bonne question, je crois pas. Non, mais si tu veux, il y a AK-47. J'ai un lance-roquette, un bazooka, une boîte de ravioli. Un sextoy. C'est pas simple tout ça. Toujours avoir un sextoy pour la survie. C'est très important. C'est élastique, c'est solide, ça fait plaisir. Ça peut servir de corde, ça peut servir. On dirait un commercial de sextoy. Le mec, il essaye à tout prix de le vendre. Voilà. C'est notre sommité. Ça avec la musique du téléachat. C'est ça. Aijin, vide. Bon, ça mal pour moi, bien, c'est qu'il n'y avait pas de fenêtre du coup. De chariot et il y a plein de bois à récupérer si tu veux. Ouais, attends, je suis en train de crever de faim, il va falloir que je bouffe. Oh, c'est surfait ça. Oh, il y a un joli arc-en-ciel. Mange-moi. Tu veux que je te mange, Tapou? Oui. Ah, c'est bien, tu sais te sacrifier pour tes maîtres, c'est bien. Mais bon, pour le moment, je te donne juste. Tu dois dépasser tes besoins primaires. Je t'ai laissé par terre une tête de lapin, ton défi est de la retrouver. D'accord. Je l'ai enterré. C'est comme chercher un mammouth dans un univers. C'est vrai. Dans une boîte de foin. C'est long et compliqué. Je l'ai. Ah bah, PK, bah, tu vois, finalement, c'était plus facile que trouver un mammouth. J'ai trouvé le mammouth. Un mammouth miniature. J'ai trouvé un mammouth dans une boîte de foin. J'avoue qu'il y a un bel arc-en-ciel là. Ouais, non, les mecs ils ont bossé leur arc-en-ciel. Moi je te le dis niveau graphisme. Alors. Il faut avoir et à manger. Ça avance ce truc là. Attends, je mets la tête de lapin avec Duracell. Et il marche étonnamment bien l'escalier que j'ai fait tout à l'heure. Tu vois comment tu risques de finir, c'est tes passages, Duracell. Tu vois ce qui va se passer si tu fais pas marcher mon sextoy. Ouais, regarde, en plus c'est trop bien. C'est trop bien placé. Genre elle est en hauteur et elle regarde Duracell. Ah mon dieu. C'est horrible. Quelle horreur. Tu vois ce qui t'attend, Duracell, tu vois. Il est mignon. Mais on peut pas lui trouver une copine, Duracell, quand même. Mais tu sais très bien. Ou un copain, t'es fermé d'esprit, dis donc. Ou un copain, copine dans le même corps. J'aimerais même qu'ils fassent des bébés, qu'on puisse les manger, quand même. Oui. Je vais voir si dans notre piège à lapin, il y a un lapin qui est tombé. C'est dedans. Des piles rechargeables. Tu mets dans une prise électrique, pom, tu recharges. Je ne trouve pas notre lapin. C'est pour ça qu'il faut l'amener dans le bunker.
pour le recharger. Après des heures et des heures, nos aventuriers arrivent finalement au bunker pour recharger Duracell. Bon, il avance pas des masses, notre fort, finalement. Hein. Bah, objection, votre honneur. Je trouve que. Ouais, bah, en même temps, si tu ferais pas péter tous les trucs toutes les 5 minutes. Ah, oh, hein, t'as qu'à le faire, l'architecture, mon ami. Il y a des allers-retours. Non, parce que je fais attention à l'architecture. J'ai blasphémé la dernière fois, je fais attention. Les gars, il y a des allers-retours à faire pour le bras. Le bois. Pour le bras? Ouais, je sais. Genre, il y en a un et on lui a dit de couper du bois, il coupe quoi. T'as vu, bah, chez moi tout à l'heure. Mais j'avais pas de chariot, du coup. Ah, mais il y en a plein de chariots, les loulous. Faut aller les chercher, ils sont dans la base. Hein. Ouais. Eh les gars, Ils sont garés, hein, les chariots. Eh les gars, attendez. Excusez-moi, vous aurez pas une jambe ou un bras à... Ah, mais j'en ai mangé une qui cuisait là. Ah. Bah Red Wolf, ce sera tous les jeux. Eh bah non, jeudi prochain, t'as dit non, Tutter, du coup. Ouais, non, jeudi prochain, il y aura pas de live, malheureusement. Mais à partir de l'autre jeudi, théoriquement, il devrait y en avoir à peu près tout le temps. Voilà. Enfin, tous les on reprend les bonnes vieilles habitudes. La chute. Bonnes vieilles habitudes. Hop. Putain, par contre, c'est. Faut se les fader, tes putains d'escalier. J'avoue. Bah, c'est Coco, je pense que Duracell n'est pas d'accord avec toi, parce que lui, on lui a fait une petite déco, il a pas l'air content. On lui a rajouté la petite tête de sa copine, là, il est mort. Bah, il a dû bouffer la tête, parce qu'elle y est plus. C'est bon, j'ai la tortue. En même temps, il nous a fait pas de que nous, quoi. C'est ça, le mec, il fait de façon... C'est bien, Duracell, c'est bien. C'est bien, t'es comme tes maîtres, c'est bien. Après, il va attaquer les gens. Les yeux. Ouais. Le mec après il va attaquer des gens dehors. Je me suis fait attaquer par un lapin, putain. Allez, oh, putain, mais des bûches, il en faut taquer. 127 a priori. Pour tout ce que j'ai mis. Ouais, parce que tu nous as fait une immense tour. Hein. Je suis dans le trou de balle du monde. Et dedans, bah, je suis tombé. C'est vrai, y a pas trop d'hémorroïdes, il va bien. Et je suis encore en vie. Ah bah ça va, et tu vois finalement. Je remonte comment? Mais t'es où, dans quel trou de balle là t'es? Dans le gros. Ah, dans le grand trou où il y a la fin du jeu là? Le gros. Il est gros, grand et poisson. On dirait des mecs bourrés. Il est grand. Je suis dans le trou du cul. C'est ça, t'sais. Le mec il essaie de rentrer en bagnole, mais il est derrière, je suis dans le trou. Dans le trou là, mais dans lequel? Bah, dans le gros. D'accord. Bon, je vais essayer de refaire un trou, mais si ça marche pas, bah, y aura pas de trou. Le trou. Il y a beaucoup trop le mot trou dans les quelques minutes qui sont venues là. J'aime dans les stick of trou. Je suis dans une grotte maintenant. Là, normalement, ça devrait pas exploser. Vous êtes témoins, les spectateurs. Bah, attends, je regarde en haut. Hein. C'est bon. Ah bah ça va, tu vois quand tu veux. Les enfants, il y a plein de chariots dans la base. J'en amène un plein. Plein. Je suis au chariot rose, si vous voyez sur votre carte. C'est quoi le chariot rose? Ça fait un peu maison de passe du Moyen-Âge. Non mais je sais pas, il est très reculé du reste du monde et il est au bord d'une plage. Ah mais c'est ça, c'est la maison de passe de... Mais oui, c'est ça. Mais y a pas de maison. Non mais je vois où est-ce que t'es, tortue. Ouais, t'es près du... Mais non, putain... Et si je le lâche, là, il tombe ou pas? Mais oui, il tombe, impeccable. Ah, mais c'est solide, bah super. Pas besoin de les descendre jusqu'au bout. Ça marche, mon escalier, mon con, ça va un peu... Tortue, tu n'as qu'à suivre le doux bruit de ma voix pour sortir. Dans 300 mètres, tournez, quoi. C'est ça. Je me mets en mode GPS. Dans 400 mètres, veuillez éviter les cannibales. Je sais pas si ça va marcher. Je viens de faire un escalier en intérieur, là, mais j'ai un gros doute sur... Pour l'efficacité du truc. Ouais... Hop là! Où est ton doigt? Hop là! Il faut retourner couper du bois, hein! Allez, je prends le chariot. Moi, j'en ai descendu. Je pense juste en récupérer, hein. Il y a déjà deux chariots hein, que j'ai descendu. Et puis moi en attendant, je vais m'installer sur le trône et vous regarder bosser un peu. Ok. Allez, on y va, les copains. Allez, c'est bien. Allez bosser un peu. Non, mais. Putain, ça va, Tortue, tu t'en sors ou il faut que je vienne te chercher? Nickel!
Ah bon bah t'inquiète. Putain mais c'est déforesté d'une force ici, c'est abusé. Ah bah coup de dynamite et plus le fait qu'on est plusieurs quand même à être dessus. Ah oui, oui. Non non, y'en a qu'un seul qui a coupé depuis tout à l'heure. C'est mis en autobot le truc. Seulement pendant nous on glandait. Exterminé. C'est ça. Dès qu'on arrive à côté de lui, voilà voyageur, je suis bûcheron. Ça aura que l'or. Il se transforme en PNJ. C'est ça. Voilà voyageur, je suis bûcheron. Oui mais on sait, ça fait plus tout à l'heure que t'es avec nous. Bon mais j'ai rempli un chariot là. Je suis dans une grotte. Tu veux un bon mec. Tortue, il visite toutes les grottes du monde entier. Il est en train de visiter le monde entier quoi. C'est ça. Eh hey, mec, je suis dans une grotte. Ça pue. Il y a des hiéroglyphes. C'est pas banal. Attendez, annonce, c'est de la merde. Ah. T'es peut-être tombé sur l'ancienne fosse. Mettre la bonne. T'es peut-être tombé sur l'ancienne fosse sceptique qu'on avait creusée avec Totor. Merde. Ah, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, oui. Et oui, Philippe. Tu as trouvé Louis bon. Philippe. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'en a plus parlé, lui. Magnifique prestation de Mamadou. Des fois ils craquent les deux là, mais. C'est... Si, c'est bon, oh il marche très bien mon escalier. Et ben voilà. Sauf la dernière. C'est une somatoline cosmétique, ça fonctionne. Oh, ah, ça c'est son petit truc, il fait tout le temps rire tout le monde avec ça. Hein. Et nous le fait tout le temps, on rigole. Hein. Oh putain. On a un vieux couple là sur le. On a Laurel et Hardy avec nous là, soir. Allez, yeah. Ça fait un peu Skyrock. C'est ça. Et aujourd'hui, et alors la Marie, qu'est-ce qu'on pense? On a. Oh la Marie, bon. Alors la Marie, on a Laurel et Hardy avec nous, qu'est-ce qu'on pense? Bah, moi, une double pénétration, ça me plairait bien. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, la Marie, Romano, ouais, mais je vais très bien dans le cul. C'est Romano, quoi. Ouais, c'est ça. Oh, les vieux sang. Salut Red Wolf, bonne soirée à toi. Bonne soirée Red Wolf, merci d'être passé. Bisous. Bonne nuit. Ça prend un peu de place l'escalier central quand même. Hein. Oui, bon bah écoute. Ah merde, mais y'a un truc qui va pas dans mon idée là. Ah, tu préférerais un ascenseur? Ah bah carrément. Bah fais-le. Je suis obligé de faire des fondations qui sont. Putain, c'est chiant. Je peux pas faire une plateforme qui vole tout simplement, merde. Une plateforme anti-gravitationnelle, c'est pas... Attends, en bois. J'ai tout ce qu'il faut, normalement. Attends, en haut, un courant d'air, du bois, ça passe. Ou alors je peux faire peut-être... Un peu d'oignon. Alors, c'est Coco propose un petit jardin suspendu. Bah, ça va être facile, tiens. Pourquoi pas, c'était merveille du monde. Mais c'est drôle parce que dans suspendu, il y a sus. Oui. Oui, c'est... Je pensais plus à pendu, moi, parce que ça me fait rire, moi, les trucs des morts et tout. moi aussi, j'aime bien les cadavres. Ouais, j'adore ça, moi. C'est sympa. J'adore les sentir. Mon père est croque-mort. Moi, j'aime bien, j'aime bien quand mais ils mais en plus, c'est vrai. Ils ont juste 3-4 jours. Oui. il t'a laissé complètement tomber sur ta. Bah là, je pensais qu'il avait donné son expérience. Le mieux c'est de les prendre à la surface. Moi je préfère quand ils sont en décomposition, ça me frétille les narines. Bah c'est à dire que ça bouge, hein, ça fait effet vibro quoi, donc c'est cool. Ah mais avec les verres, tout ça, moi ça coule tu vois, non. Ah je peux te dire. De quoi on parle déjà? De poney, non? Ouais, c'est oui. Si c'était de truite. Je pensais qu'on parlait de chaise longue. Comment je fais cette putain de. Donc tu aimes bien les chaises longues avec les chenilles? Ah oui. Putain, j'ai été envoyé dans le cosmos. Ah non, encore? Bah ouais. Par Sylvanus, le grand monarque. Sylvanus. Alors, la dernière fois que j'ai croisé un mec qui s'appelait Sylvanus, il s'est passé un il truc. Il pue et de l'anus. Mais non, les gars, au niveau des rimes, c'est assez ouf là ce qui se passe ce soir. Qu'est-ce qu'il se passe? Dites un mot n'importe quel, je trouve une rime. Pierre! Le gravier. Ah, tiens, tu nous as paniqué, tu nous as pas arnaqué sur la marchandise, mec. Franchement. Waouh! Tu es fort! Attends, je vais te dire un autre mot. Bicyclette! Tricycle! Pamplemousse?
T'as compris? Le concept des règles. Non, aubergine. Non. Avocat. Zizicopter. Comment je fais un truc dans les arbres là? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Il y a un emplacement spécial mais dans les arbres. Attends. Attends, hein, je vais te le faire. Il veut pas me donner le. Il veut pas me donner. Il veut pas me valider. C'est bien un arbre ça, putain. Alors non, en fait. En fait, parce que ça se branche. Ça se branche. Ça se place que sur du séquoia, mais ça enchaîne vieux de 3000 ans. Mais putain, on va pas entrer des masses ici, puisqu'on a tout fait péter la dynamite. C'est vrai. Mais fais la Alpine Treehouse. Mais à quoi je l'accroche cette salope? C'est mal. À quoi je l'accroche cette salope? Bah, attends, mais elle est au ras du sol. Bon, bah voilà. Et moi. Voilà. Dans le délire. Est-ce que ça a un intérêt quelconque ce que je viens de faire ou est-ce que je me fous? Voilà, à plus de forêt. Mais coupe pas mon arbre, non. Les gars, mais qu'est-ce qu'il se casse les couilles, le gars. Ça fait un quart d'heure que j'ai passé un blueprint, le mec il me pète mon arme juste. Cui, je suis là. Je vais faire une sauvegarde, les amis, n'hésitez pas à le faire aussi, de votre côté. Ouais, bah ouais, j'arrive, je vais aller le faire. Je suis bloqué. Je vais faire une sauvegarde et je vais vous laisser là, je pense. Oh, ça marche. Très bien. Oui. Mais ça marche. Sauvegarde. Mais de toute façon, Totter, c'est l'heure de la pause. Effectivement, il est 23h02. Je pense qu'on va faire une petite pause très rapide. Ah, venez tous sauvegarder. Ça y est, moi, c'est fait. Ah oui. Je suis revenu de loin pour vous rapporter une carapace. Putain, tu l'as, tortue? Oui. Oh, ok. Quel brave bête. Oh putain, il l'a. T'as les morceaux de bois pour le faire? Ah, j'ai trouvé une copine pour Duracell. Bah, elle court vers lui. Ouais. Elle est devant le banc, elle regarde Duracell. Elle se dit qu'il est beau gosse. Oh pardon. Mais... Ah bah, tant pis. Bon, ferme les yeux Duracell, je suis en train de l'appeler là. Attends. Ça se trouve ça l'excite, hein. Oui, bah, tu vas lui donner sa tête, t'es pas un connard toi. Duracell a mangé. Tiens, puis il est arrivé. Regarde les mecs, vous avez construit des trucs avant que j'ai le temps de placer les fenêtres. Vous êtes trop efficaces. Ah bah ça, c'est du travail de pro. Hein. Ouh. Sans monsieur... Touché la Marie. En temps normal, ça prend presque 6 mois, nous on le fait aller en 12. Ouais, d'accord. À peu près. À une vache près, c'est pas précis. Ah non, mais je pense qu'il y aura des fenêtres, mais c'est qu'il faut attendre la dernière bûche pour que ça se fasse. Si je marche sur les pics, je meurs. Oui. Ah non, ça va. Ça rentre juste dans le cul, mais ça pique un peu. On t'a menti. Bon. On t'a peut-être menti, mais. Bon. L'arc-en-ciel, il était lumineux là. On lui avait pas dit que le soleil s'était couché, il était en train de s'éclater. Ah, près du chariot rose, il y a des gens. Je vais les voir. Je mets le truc à carapace à côté de des étages. Ouais. Vous êtes tous dans la baraque là, revenez tous dans la baraque, on va faire tous une sauvegarde, on va sortir pour éviter que le jeu continue à tomber. On est tous, Tater. Pourquoi t'es mort? Parce que j'ai glissé. J'ai glissé, chef. J'ai encore arché sur une mine, chef. T'es un bolos. Oui. Allez, comment on va tous sauvegarder. Allez, Zou. Sauvegardons tous. Je fais ma sauvegarde. Oh putain. Et une fois que vous avez sauvegardé, vous quittez. Comme ça, au moins, on saura qui a sauvegardé et qui a pas sauvegardé. Ah bah, le jeu a craché pile au moment où je sauvegardais, dedans. Eh ben, en espérant que... J'ai eu le temps de sauvegarder. J'essayais, mais je sais pas. J'avais sauvegardé 2 minutes avant, donc ça devrait le faire. Ok, bon. Ça marche. Les amis, on se retrouve dans 5-10 minutes pour la dernière partie de ce live. Tout à fait. Tout à l'heure. Ça passe vite. Mais oui. Walou, on est de retour. Je crois, oui, on est de retour. Oui. Et moi, fils, c'est pas toi qui me tape là. C'est le vent. Putain, mais mon chat il gratte sa mère, C'est le vent, mais oui. Bien sûr. C'est bien. Non mais Totter. Je vous jure des fois. Sans s'occuper des larbonnés et des chats. Ah ça devient un poire. Ces animaux de compagnie poilus, je me perds moi. Un poire. Qu'est-ce que tu veux, tortue? Un poire. Du Russell est vivant.
Ah bah non, il y a pas à boire, donc si, mais viens, suis-moi, t'as un petit lac sur la droite. Bon, ça te donnait la chiasse, mais c'est pas grave, hein. La nature des toilettes. T'es plus à ça près, de toute façon. Au pire, tu vas maigrir. Moi j'ai la dalle, par contre. C'est ici. Comment je fais? Ah, mais je te pose la question, est-ce que tu veux à boire? Ah, non, j'entendais pas la question pour le moi. Le malentendu, tu sais, le mec il t'emmène à boire et tout. Tiens, mais bois, c'est mais non, ça. Mais je te demande pas ça. Mais bois, vas-y. Mais c'est clair. Non, non, c'est gentil, merci, je te remercie beaucoup, Dante. Parce que comme j'avais pas entendu la question, j'entendais juste à boire. À boire. Mais bah attends, mais je t'apporte, je te montre ce qu'il y a à boire et tu te démerdes après. À boire. Et allez. Boire, putain. À boire. Ouf. Ah, je l'ai déboîté le. Morty. Bah par contre, du coup, on recommence dans le noir et ça, c'est pas terrible. Eh, salut Nono Clico, ça. Il nous fait un gros poutou, on allait se coucher. Kiss bang bang. Ah, d'accord. Mais pourquoi y a plein de lapins qui sortent de chez nous, qu'est-ce qui se passe? Bah, Duracell se reproduit avec toutes les lapines qui passent. Hein. Aïe. Parce que la cage à lapins que t'as construit, c'est ni plus ni moins qu'un gloriole. C'est ça, un peu. C'est un bordel. Eh oui. Le mec, il est tout seul comme ça, quoi. Ouais, moi, non, moi j'ai rien fait. Moi, non, j'ai rien. Moi, je vais coucher. Je vous souhaite une bonne nuitée. Une bonne nuit. Qui c'est qui est dans le coin là, tout seul? Je sais pas. Mais c'est moi. Il est à côté d'un cadavre d'un lapin, je crois. Non, mais c'est moi qui l'ai tué, décaté. J'ai peur. Qu'est-ce que tu fais avec le cadavre? Qu'est-ce que tu fais dans un coin de la base avec un cadavre de lapin? Je vais dormir. On dirait la fin de Blair Witch. Qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre ma couette par-dessus. Je vais insérer le lapin par-dessus mon pénis. Ah pardon, j'étais en train de le dépecer, le lapin. Ouais, non mais j'ai laissé le meilleur morceau, j'ai laissé la tête. Alors tu ouvres la tête en gros et tu récupères la cervelle, c'est très très bon. Ah, retire les dents. Voilà. Non. Ouais, fais gaffe parce que c'est pas... C'est mieux avec les dents. Bon, je préfère avec les dents, j'aime quand ça croque. On va dire vert. Alors attention, je regarde en 360 degrés, où c'est qu'il y a des cons? Ah, il y en a mais... Bah non, il y a personne. Ah si, il y a des gens à la porte, il y a deux personnes à la porte, exactement. Je vais sortir mon arc, et attention. Et ben on va les défoncer. Non, 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 les larbonnés, ouais. Bah ils sont où? Parce qu'on est sorti là. Je suis Guillaume Tell. Non, il est arbalète, Guillaume Tell. Ah, elle est là. Attention, tortue, je tire une flèche. Guillaume Tell, il a pas une arbalète, hein. C'est une fronde. Ah, c'est une... Non, ça c'est Thierry Lafronde. Et alors, non, mais c'est normal que tu confondes parce que Thierry Lafronde, tu penses pas forcément qu'il est une fronde. Vous pouvez penser qu'il n'est vraiment pas un bazooka. Lance roquette. Ouais, ça paraît con comme ça, mais. Mais en fait, c'est. Mais tu dis le mec qui s'appelle Thierry Lafronde. Lance roquette, du coup. Bah ouais, c'est ça. Connasse. Ah bah elle, elle s'est fait sécher, la connasse. Eh, hey, shut up. C'est quoi ce bruit? Oh putain, on a un gros, les enfants. Ok. Ah ouais. Ça. On a un gros. Ah, mais du coup, je vais pouvoir utiliser les molotovs que j'avais pas. Que j'ai perdu tout à l'heure dans le bug. Ouais. Attention, pousse-toi tortue. Tortue, pousse-toi. J'en mets. Tortue, repousse-toi. Repousse-toi. Allez, repousse-toi. Essaie de faire repousser tes membres maintenant. Allez. Hey, on touche pas au larbonné, bâtard. Je crois que je t'en ai mis une. Oh, putain. Ils sont vachement vénères là. Faut arriver dans leur dos. Allez, dans leur dos, on les défonce. Allez. Tu lui as arraché les dents, la nana, toi. Mais c'est moi ou il nous manque un larbonné, là? Tapou est parti. Ah bah oui, Tapou, il est parti. Bah alors, Tapou. Mais si, il avait dit qu'il allait se coucher, mais je savais pas s'il plaisantait ou pas, en fait. Oui, bah moi aussi, à force qu'il raconte des conneries, mais à la fois, je suivais plus. Merde, on l'a même pas dit bonne nuit, putain. Bah oui, on est... Bah, bonne nuit, tu... Voilà. Non, c'est pas vrai. Ouais, bah tu lui transmettras le message, écoute. Oui, bah, je vais sauvegarder pour la peine. Voilà, et bien moi je vais sauvegarder aussi parce qu'il y en a plein de cul de... Okay. Bon ensuite, faut que j'aille assassiner... Tous les rondins qui étaient par terre avant de quitter, ils ont disparu. Ce qui est un peu con. Et ça parce c'est un peu dommage, chiant, ouais. Surtout que je crois que je n'ai plus... Je vais voir s'il me reste de la dynamite. Putain, j'ai pas de chariot, il y a deux chariots empilés là, du coup j'arrive pas à en prendre un seul. Faut que je les pousse. Eh bah, arrive-vous. J'ai récupéré deux dynamites. C'est bien ça. Est-ce qu'il m'en reste? Non, je crois que je te les avais tout donné tout à l'heure. Non, mais tu sais, on les avait laissés sur les espèces de râteliers. Ah oui, peut-être. Il reste une. Il reste un, bah si tu veux, vas-y, prends le tortue.
Ficelle, il a fait un gros bonfire. Mais Ficelle, il vit sa vie tout seul, quoi. Ficelle, il a fait un campement. Les extraterrestres, moi. Lui il essaie de trouver l'indépendance. L'indépendance, t'es tout seul. Oui, peut-être, mais je suis indépendant tout seul. Je suis indépendant. Tu peux me dépanner. Il fait des manifs, des blocus tout seul. Ouais. C'est ça. Il essaie de faire un blocus. Attention, Ficelle, je suis en train de te faire péter là. Et attention. Ficelle, je t'appelle, je m'en irai de ce que t'es en train de couper là. Tu vois ? Oh non, mais j'ai pas peur de la mort. Voilà. Hop là. Ah, pousse-toi, Ficelle, pousse-toi. Aucun dégât. Oh putain, il est incassable. Voilà, je la peux te dire. N'est qu'une information. Eh oui, c'est ça, tout est dans la tête. On avait 8000 rondins à peu près là. Ouais, là ça va là, à peu près. Et Mère Nature, bah là, elle par contre, on lui a fait le maillot là. Ah, elle fait la gueule, hein. Voilà, ah oui, là. Mère Nature, c'est pas de suite, tu vas revenir. Où sont les chats? C'est pas des forêts écologiquement gérées, hein, durablement gérées, là. On a la dynamite, on dynamite tout ça, on a rien à branler de replanter ou quoi que ce soit. Non, bon, de toute façon, un toast, ça le fait tout seul, donc au bout d'un moment, hein, pourquoi s'emmerder, j'ai envie de dire. Oui, hein, oh. Mère Nature reprendra ses droits. Nature, elle a bien fait pousser des arbres sans qu'on soit là, mais bon, pour commencer, elle va vous faire chier. Moi je paye mes impôts tous les jours, hein, bah. Ah, c'est bien pour toi, hein. Il y a 4 mecs à l'entrée, j'ai peur. Ouais, je crois qu'ils se sont appropriés un peu notre baraque, les enculés là. Alors, s'il vous plaît, allez-vous-en. M'obligez pas à utiliser un cocktail molotov. M'obligez pas à utiliser la force. Je vais mourir. Recule tortue, il va se passer quelque chose d'horrible. Genre, tu vois cet échec. le gars, il a pas bouffeté, hein. Ah, il a regardé, il a fait je t'emmerde. Ta gueule, toi. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va mettre un peu plus le feu. Putain, mais j'ai pris méga feu là. Je suis en train de méga brûler. Ah, je comprends, c'est méga chiant. Ouais. Ouais. C'est pas juste du feu classique, quoi. C'est du méga feu. Ouais, y'a pas. Bon, bah pour la peine, les cadavres chez nous. Hop là. Y'a des lapins, y a tout le temps un lapin qui se barre de chez nous. Je crois que Duracell il fait le taf, tu sais, il est comme ça. Eps, t'as dit de venir, vas-y. Viens. En fait, c'est un date, tu sais, le Duracell. Il attire les autres lapins. Viens. Il nous voue un culte et du coup. C'est ça. Il sacrifie ses propres congénères. Vous les avez entendus. Ils veulent votre corps. Hop, putain. On a encore du cadavre, mais oui, on a du ça. C'est terminé. Mais oui. Mais c'est pas mal du tout cette histoire. Tortue, je te sens un peu tendu là. Je te vois en train de viser le feu avec le cadavre à l'intérieur. Tu sais qu'il est vraiment mort, hein. Il va pas revenir de suite là. On sait jamais. Ouais, non, mais je comprends. Tu es juste précautionné. En fait. Ah, et ça souffle là, faut se calmer le vent. Alors j'aime bien, ça souffle de ouf dans les casques, mais par contre, en vrai, Bon. Ça va, hein, ça va. Si vous voulez savoir, on peut bien avancer le gazebo là-haut, là, hein, pour avoir une belle vue. Le petit donjon, là. Yeah. On va allumer un peu les torches, quand même, parce qu'on va que chier, ce putain de pays. Tu sais, il est en train de se créer son truc de braser, mais... C'est énorme. On a perdu Ficelle, hein, il a tourné la carte. Ouais, ça y est, fait, ouais. Emmenez-moi, être des cieux, emmenez-moi. C'est ça. Ah non, j'ai encore volé. Bon, je vais mourir. Ah. Ficelle, si tu veux bien me réanimer. Tu es tombé du ciel. Tu vois, je suis l'élu. Tu vas juste nourrir sa folie, hein, à faire ce genre de choses. Oui, peut-être, mais au moins ça fonctionne et il m'a fait revenir à la vie. Merci, Ficelle. Ah putain. Mais du coup, on a plus de. Eh non, mais d'accord, mais. Attendez, il nous manque 2-3 traîneaux là. Ouais, il y en a un qui est à la base que je finis de vider et que je vous ramène. Oui, mais attends, j'en ai un là. Oh non coup... Ah, j'ai cru que The Forest avait crashé. Pardonnez-moi. Ah, j'avoue, il y a eu un petit ralentissement là, ça m'a fait un peu flipper. Je vais faire une sauvegarde rapide, bam. Tiens, Ficelle, si tu veux bien mettre quelques bûches là sur le traîneau que j'apporte. Ouais. Si je réussis à la porter un jour. Il y a trop de bûches dans ce pays de merde. Mais si, c'est bien aimable. Tu vois, le fait d'être descendu du ciel, maintenant, Ficelle, il croit que je suis un dieu. Ah, mais oui. Et il apporte donc tout ce qu'il faut.
Porte-moi des femmes et de la villa, Suisselle, maintenant. Compliqué. Donc moi, je vais arriver, comme je suis pas tombé du ciel. Il va pas me respecter. Eh non. Tu as le droit de casser la gueule à terre, Suisselle. Mais une petite pichenette comme ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je suis full ou pas? Je pense que je suis full. C'est un peu la merde en termes de traîneau là. Ouais, ça marche. Il faut qu'on aille avec notre traîneau. Mais... faut que je boive et que je mange à un moment donné, tiens. Hop là, oula. Oula, il a failli y avoir un accident de traîneau là. Mais tu sais qu'il y en a un que j'ai fait tomber là, qui est juste à côté. Hein. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux les faire tomber au lieu de t'emmerder les apporter? Tu cours en fait et tu... Ah bonjour. Il y a une cannibale et elle me regarde de porter mon traîneau, mais qu'est-ce que vous faites? Oh, merde, j'ai pris feu. Faut que j'aille m'éteindre. Faut que j'aille m'éteindre. Voilà. Ça va mieux. Ouais, je me mets à cul tranquille. Je vais me faire cuire un lapin vite fait quand même. Je vais te faire cuire un lapin. Le monde est gris pour moi. Ah bah tu sais, la vie est pas toujours bon. What the hell? Putain, merde, le feu il s'est éteint vraiment. Je vais pas le manger mon lapin cuit là ou... ça va être compliqué. Les gars, c'est... Oh non, regarde, y'a un mec là! Putain! Au feu, il reste des os, hein, si jamais vous voulez vous faire des armures. Ah, c'est vrai que c'est longtemps que je m'en suis pas fait alors que je vais être plein d'armures vu tous les mecs que j'ai bouffé. Par contre, j'arrive pas à réallumer ce putain de feu. Scheiße. Et mon lapin que j'ai fait cuire là, je vais pouvoir le choper ou quoi? Et t'as fait cuire? Mais j'ai fait cuire un lapin dans le feu là et je peux pas le retrouver. Écoute, il est caché, que je suis désolé. Je suis un peu triste, hein. Je comprends. La perte d'un mieux dans le grand feu là. Bah dans un des deux grands feux, dans celui de à ma droite là. Dissous, le truc c'est clair. Ah mais tu l'as perdu dans le brasier en fait. Bah ouais. Je l'ai posé, je l'ai jeté dans le feu et après je m'étonne de pas pouvoir aller le récupérer. C'est le truc il a fondu à mort, hein, il reste plus rien dessus. Et j'ose pas pisser dessus parce que pour éteindre le feu sinon ça va changer le goût de mon lapin. Ça dépend, ça peut lui donner une petite saveur aromatisée, tu sais pas. Hein. Ouais, si je sais. Ah, t'as déjà fait cette expérience. Les lapins blancs de pisse, c'est pas le premier que je vais bouffer. Et pas qu'avec ta propre pisse d'ailleurs. Ah non, non. Bah, ça change selon les personnes. Bah eux, hein. Suivant ce qu'ils ont mangé, bu avant. C'est comme tout. C'est comme tout, tout à fait. Putain, ça repousse bien les arbres quand même. Ah, y'a plein de petits arbustes là, c'est rigolo. C'est les arbres qui repoussent, les petits arbustes. Ouais, ouais, mais en fait, si tu les laisses assez longtemps sans les toucher, ils vont se transformer en un arbre d'un coup, là. Ils vont faire... Eh, c'est pas... C'est des arbustes de ouf. Mais ça bosse dur, hein. Hop là, je fais les Yamakasi. Y'a pas un truc qui a cuit, là? Ce lapin me trop cuit, là, je vais peut-être le manger, quand même. Bah même si c'est trop cuit, ça te calera un peu, mais ça donne pas beaucoup quoi, en nourriture. Ouais. Ah. Excusez-moi. Ouais. Voilà. Je crois que je me faisais attaquer le cul. Ah merde, il faudrait des petits bouts de bois. J'ai fini un traîneau, si quelqu'un veut aller... veut le virer pour aller ramener. Ça marcherait bien. Ça marcherait bien, ta belle, hein. T'avais une forêt avant, non? Avant. Ça, c'était avant. Maintenant... Maintenant, on va faire un parking et puis on va faire un magasin, pourquoi pas? Ouais, voilà. Hein? Ouais, faut que j'attire les clients, hein? Oh. Ouais, puis on va faire quelques strip clubs à gauche et à droite. De toute façon, avec les cagotes qui traînent en ce moment à côté, ça va pas être compliqué le recrutement. Ouais. Le boss. Non, tu veux pas que je. Oui, c'est ça. Une petite casquette de bûche là. Eh, on n'est pas rendu, il reste encore 22 bûches à ramener. Pour finir le gazebo? Ouais, t'as ou l'autre plateforme? Ah non, c'est l'autre plateforme. Non, c'est en haut.
C'est pas fini encore. J'arrive pas à sortir du chariot. Ah, t'es Keblo. Ouais. Putain, t'es trop fort, tu fais ça rien qu'avec ton ventre. Putain, le mec il est tellement magnétique quoi. Il est magnétique avec du bois, c'est improbable. Putain, mais t'es magicien en fait. Ouais. Allez, donc t'as fini la maison là? Bah, j'ai fini le deuxième étage. D'accord, ok. Bon, moi je m'occupe du gros. Je vais lui mettre un toit à la limite. Mais ça marche pas ce toit. Hop. Custom roof. Ça fait pas très toi ça. Non, ça fait pas très moi. Je vais plutôt faire un sol avec un autre escalier. Et on finira avec une rambarde. Petite rambarde, pas piquée d'un dos. Pour faire une espèce de petite terrasse quoi. Hop là. Bien tranquille. Bien ouais, tranquille. On pourra prendre l'apéro. Tranquille. Oh, qui c'est qui est en train de faire une méga catapulte? La tortue, t'as eu la merde. C'est moi. Tortue, il a créé la catapulte. Et du coup, je fais quoi maintenant? Bah, il faudra peut-être que tu mettes un caillou, non? Petite réserve de caillou. Ah, bah, il y en a eu là, voilà. Ah, puis tu mets un petit caillou là. Mais. Et tu regardes, tu fais C, hop. Il me donne pas l'option, ce bâtard. Et l'option, moi. Et voilà. Et. Ah, oui, en plus, ça te donne la direction en plus. Bah, c'est en fait, t'as un petit trait blanc. Vas-y, balance. Regarde. Ok. Alors du côté du village. Oui. Mais c'est charmé, vas-y on en fait plein. Bah ouais, faut en faire au taquet. Et on les défonce ces connards. Ouais, dès qu'ils approchent, on leur défonce là. C'est quoi ça? Ficelle, tu t'es fait chier pour rien, mais c'est très gentil. Surtout j'aimerais bien le pull. Bah y'a pas moyen que. Attends, qu'on échange et que je le prenne à ta place. Bon voilà. Bon sinon je le casse hein, au pire. Oh la tortue, t'as fait une espèce de chute. T'es rien, je me suis juste cassé trois chevilles. Ah, heureusement que t'en as une. Putain, mais j'arrive même pas à le casser le truc. Mais elle est où la catapulte? Ah bah elle est là. On a ficelle qui est Keblo, les amis. Rip. Merde. Et si on bute ficelle? Ouais. Je suis désolé, hein. Turn him direct, ouais, butons-le, non, mais ouais. Faut juste le faire mettre au sol, hein. On va pas forcément l'achever. Faut pas Ouais, non, mais faut pas l'achever, même. Bah, d'ailleurs, je te vais te laisser donner le dernier coup parce que c'est trop dommage que je m'emporte et que je le finisse. Tu me connais, moi, la vue du sang, ça m'excite. Ouais, puis ça tombe bien. Y a un truc qui se ramène là. Voilà, si vous voulez me lancer des cailloux dans la gueule, c'est le moment. Oh merde, j'ai libéré Energizer. Du Racel, tu te gourdes de marque, mec. c'est pas grave, ça marche quand même. Alors fais voir, si je te remets... Voilà. Parce que moi je peux récupérer. Je suis maudit. Ah non, il est maudit en fait. Ouais bah sinon, fils, je te bute. Hein. Je t'achève. Pas d'eau dans notre putain de... Et tu peux pas faire d'autres actions? Non, attends, je peux pas m'asseoir. Alors regarde si tu peux t'asseoir ou un truc comme ça. Tu peux rien faire. C'est débile. Le truc, c'est que j'arrive déjà à accéder au banc. Mais tu donc on peut pas péter le. Pas, hein. Putain. Ah non, on n'y arrive pas. Bah sinon il faut qu'on bute définitivement ficelle. On arrive à téléporter à l'avion quoi. Bah ouais. C'est tu nous autorises ou. Vas-y. Bon, allez, c'est parti. Tu vois ce que tu forces à faire, ficelle? Tu vois. Non, c'est horrible, tu donnes des coups de dans la tête. Attends, est-ce que ma maintenant on peut peut-être. Non. Alors heureusement j'ai décalé au moment où t'as dit non, mais qu'est-ce que je fasse? Attends. Attends, ouais. Bah je crois que tu l'as achevé, non? Là tu l'as achevé. Bon, excuse-moi, c'était pas personnel. Au moins, je peux reprendre du coca et tout, parce que j'ai peur. Ah, ouais, bien. Ouais, c'est une... Bon, il faut sortir les chariots, là. Attends, là on sait Keblo, là. C'est Keblo. Oh, ça prend forme cette petite baraque là. Il y a le traîneau qui a fait un triple salto ouvrier Axel retourné, je lui mets un 10 sur 10. Et avance donc. Avance donc, on avait. Hop là. Oui. Ah, il y a quelqu'un qui a grogné là. Y'a quelqu'un qui a dit gros.
Pas sûr, mais je crois qu'il me poursuit. On occupe. Il se passe un truc chelou là. Tu t'es téléporté? Ouais. Alors j'entends un grognement derrière mon cul. Bon, je m'en occupe pas trop, qui peut m'aider? J'arrive. Finalement. Ah, et ensuite tu t'es fait défoncer. T'inquiète, je m'en occupe. J'ai besoin d'aide. Je suis dans la merde. Faut des petits bouts de bois. Burger. Des petits bouts de bois. Ça, c'est bon. C'est le prix. Mais voilà, tu m'as autant galéré pour tuer un oiseau. Oh, je me rappelle de quelques épisodes où c'était pas ça. Hein. C'était les lapins où c'est compliqué là. Oui, c'est vrai. Je courais appeler pendant des heures, il se moquait de moi. Ah, ta vie est trop nulle, ce navet. Toi, ça faisait pleurer, t'es enfant. Mon pétard faux cruel. Ah, ouais, non, mais au bout d'un moment, faut nous foutre la paix par contre. On occupe. oui, occupe-t'en. Aijin va le surveiller quand même. Non, parce que Aijin il a plus de vie donc. Non, mais c'est bon, je suis vraiment occupé. Non. Moi j'ai plus de vie non plus. J'arrive pas à naviguer avec ces deux grands feux là. On occupe pas en fait. Je suis pas bien. Ah oui, il s'est encore fait défoncer. J'ai plus de médoc. Non, j'arrive. Ouais, on arrive. Attends, j'ai peut-être me faire buter aussi, accessoirement. J'aime bien le... Oh putain, je me fais peur, ficelle. Ouais, tu... Fond, qui peut planquer comme... Qui c'est qui peut... Dégage, toi. Enfoiré. Touche pas à mon navet. Quelqu'un lui a planté son truc dans le cul. Ah, c'est bon. Il est parti. C'est peut-être pour ça qu'il était vénère. Tortue, c'est toi qui as mis un truc dans le cul au monsieur là. C'est pour ça qu'il était pas content. Faut que t'arrêtes aussi. Hein. Je peux faire exprès. Ah bah oui. C'est... Après, c'est si vite arrivé comme accident. Mauvaise habitude. C'est le mec, c'était le voisin. T'sais. Bonjour voisin. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Bouge pas, t'inquiète. C'est comme ça qu'on dit bonjour par chez moi. Viens là. Vous avez des petits bâtons pour finir ma catapulte? Comme ça, on aura deux catapultes. Ouais, j'ai des brandies, ouais. J'ai quelques brandies. Faut pas. Il faut énormément de cailloux. Bah, des cailloux, non, non. C'est assez simple. Non, je suis occupé, putain. Mais on a une réserve à caillasse, normalement, déjà. Faut une bûche, encore. On a déjà une réserve à cailloux, ça. Ouais, il y en a une en bas. Alors, les cailloux, c'est vraiment les trucs qu'on peut récupérer en bas, quoi. Bim, une deuxième catapulte. Il me semble que ça en jette 4x4 avec la catapulte. Ah oui. Bah, alors, comment tu le charges la catapulte? Je dois être teubé, moi, mais j'y arrive pas. Faut avoir le cul dans la main. Ah, faut avoir le caillou dans la main, c'est chiant. Super chiant. Disons que s'il y a 8 ah non, c'est bon, après c'est bon. Dans la merde, quoi. Et du coup, là. Oh. Par contre, moi j'y vois rien. Normalement, c'est mal foutu. Ouais, c'est vrai que pour la visée, en fait, un petit trait blanc, mais comme c'est caché par la moitié de la catapulte. Ah bah oui. Grosso modo, dans la direction approximative des ennemis, quoi, tu tires. Ouais, c'est ça. Bon, après, ça fait pas des explosions de ouf. Hein. C'est pas mal. On pourrait pas faire des arbalètes? C'est clair, tu fais des balises, mon gars. Ouais, c'est ça. Mais après, ça demande un mécanisme et tout. Jack, notre personnage, il est pas foutu de prendre des lampes torches ou des lampes à huile quand il les trouve, alors... Alors, mon gars, lui demander de construire une baliste. Là, t'es ceci dit, là, si on prend du recul et qu'on regarde tout ce qui a été bâti pour le moment... Respect, quoi. Il y avait une grotte dans le village, en fait. Y'avait quoi? Une grotte dans le village. Ah, c'est bien possible. Du coup, je rentre dedans. C'est pas impossible, du coup. Ah, on peut mettre des bombes dans la catapulte, ça c'est bien. Tu peux mettre un molotov le truc t'arrose la zone, quoi. Ça serait énorme, mon gars.
Bon, je vais essayer de construire ma petite maison dans les arbres, voir si j'arriverai à la relier à notre base principale. Putain, y en a un, il est vraiment pas content. J'ai entendu gueuler. Ah, c'est quoi ces conneries? J'ai entendu gueuler ici. C'est ça. Eh oh, vous payez une taxe d'habitation là sur ce que vous êtes en train de faire? Oh merde, j'ai bouffé des baies, ça a failli me tuer. Ah oui, faut faire gaffe parce que tu bouffes. Mais combien de fois il faut que je te dise que tu répétis d'arrêter de bouffer tout n'importe quoi aussi. Dans la grotte, il y avait la carte des souterrains. Et la boussole. C'est utile. Ah ouais. Les cartes des souterrains trucs, j'avais pas. Je savais pas qu'il y avait ça moi. J'aurais bien mixé ces putains de. Ouais, ça. Tu as retrouvé ton lapin trop cuit dans le feu. Là, il faut que je trouve les autres fleurs. Monsieur Meur. Parfait. Ça. Parfait. Voilà, là ça cuit bien là. Voilà, on est bien. Ah, Molotov aussi. Alors ça c'est top par contre. Faut pas balancer dans la baraque, mais sinon. Ça... Ah oui, t'as pas intérêt à avoir une merde dans l'œil, sinon tu fais tout cramer là. Je pense que ça les calme les connards. Ah, ça les fait sécher, ces trous du cul. Je vais les faire sécher, ces trous du cul, ça leur apprendra. Pardon. Non, c'est sur le coup du. C'est le coup du. Vous savez que vous voulez que je les trouve dans le cul d'une vache? Vache. Pardon. Ah, mais c'est à cause du. Bon, par contre, question point de vie, c'est pas la teuf. Hein. Tu me souffles dessus, je meurs. Ah, je peux peut-être me faire un petit médoc avec des herbes là. Parce que moi, je suis en train de. J'ai bien fait me faire tomber un arbre sur la gueule, moi, tout seul. J'ai besoin de personne pour me tuer, moi. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai été disconnecté du chat. Ah. De Twitch. Je vérifie si on est encore. C'est bon, il m'a dit que j'étais reconnecté. Qu'est-ce que j'ai fait de mon chariot? C'est pas quelqu'un. Ah non, quelqu'un était venu récupérer mon chariot. Bien la dynamite, mais après pour retrouver les bûches, c'est pas la teuf. Ce qui est bien, c'est que cette dynamite, elle découpe bien en bûches quand même. Ah, mais par contre, elle débite. Ouais. Je peux te dire. Je peux faire R. Elle, faut pas lui en promettre. Ah, je peux enlever la corde, d'accord. D'ailleurs, je vais peut-être le faire, enlever la corde, je suis en train de me dire. Je sais pas, est-ce que j'enlève la corde ou pas? C'est dans l'idée. Ça sera juste relié à la base là-bas. Oh, je vais laisser la corde. Je suis full. Hop là. Il y a encore besoin de bois à la base ou pas du tout? Enfin, de rondins. Ah oui, il en faut encore taquer. Le gazebo, il est loin d'être terminé. Moi, je suis à côté, je suis en train d'essayer de faire une petite plateforme dans les arbres pour voir s'il y a moyen de la relier à notre base. Et une tortue, il a décroché, il a fait « Bon, les arbonnés, je me casse. Moi, je vais visiter des grottes. Spéléo, c'est bien. » Exactement. Si tu nous ramènes des cadeaux, ça va. Des offrandes. Ou toi, une petite balle de tennis. J'ai cru entendre des chevaux, je suis un peu plus. Moi aussi, on crut entendre une espèce de bruit chelou, de hennissement. Ouais, de hennissement, ouais. Bizarre ça. C'est pas bien la première fois qu'on croise des chevaux dans ce putain de pays. T'imagines la viandasse qu'on s'est donnera? Ah putain, mais t'es en but 1, ça fait café quoi. Du bourfindus là, comme ça là. Bourfindus, bon, je suis parmentier. Mais. Au cheval surprise. Oh putain! Ah, c'est très très bon la viande bouffée! Et bon, après, c'est vrai que quand tu le sais pas. Oui, c'est surtout ça le problème. Bah, puis il y avait aussi la provenance. Ouais. Il y avait les deux en fait. Il y a rien qui allait là. Pas dans les clous.
Fini moi avec ces conneries. Ah mine de rien, on a bien avancé quand même. Ouais. Il me reste plus que 6 bûches les enfants. Allez, on se motive les larbonnés. Allez, on se motive. Là, j'en ai 1 2 3 4 5, bah il me manque une bûche. Bon, une tortue vu qu'il est dans les grottes, ça va être compliqué pour lui. Là, moi, il est quasiment un chalot de rempli. Ah non, je croyais qu'il me restait que... Ah non, mais en fait, pas du tout. Mais pas du tout, en fait, il en faut encore 1 milliard, en fait. Oui, c'est m'étonné. Je me disais aussi... Possible. Possible, ce bordel. Et alors... Ah putain, il m'en reste encore. On a capturé un... Mais je comprends pas, des fois le truc il tombe mais on n'a pas capturé de lapin. Mais expliquez-moi. Ah, c'est que... Merde, c'est... la nuit tombe forcément. C'est que c'est foireux, que je te dise mon cher Tarnu. Il y a un courant d'air qui passe, le truc il se ferme. Logique. Encore une, encore une, encore une. Encore une bûche, encore une bûche, encore une bûche, putain. Ah, et voilà. Est-ce qu'il me reste de la dynamite pour aller ouvrir encore? Ah merde, il me manque plein de petits non. arbustes, putain, fais chier. Plein de petits brindis, ouais. Non. Pas là-dedans? Ah si, on a vu une. Non, vous ne rentrerez pas, monsieur, au revoir. Fais attention, Totter, si t'es en train de remonter, il y a... Ah, c'est la course à la brindille, là. Faut que j'arrive à trouver des brindilles avant. C'est une course contre le soleil. Il y en a qui replantent des... Des putains de totems partout, quoi. Ah mais les gars c'est des ouf. Des ouf moi je te dis. Mais ça commence manque... à avoir de la gueule tout ça. Il me manque deux putains de brindilles. Ok bon ça va peut-être le faire les brindilles là. Moi il s'est barré l'autre. Ouais moi il s'est barré. Ouais il s'est barré mais il est pas très loin quand même. Allez 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 allez. Non non c'est bon j'ai pas besoin d'aspirateur merci. Ça suffit, monsieur, hein. C'est bon, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Allez, cassez-vous. Oh, c'est cosy. Non, mais ça a de la gueule, hein. Franchement. Alors. Qu'est-ce que t'as été foutu une maison là-bas, toi? Mais en fait, je voudrais essayer de la relier à notre base pour avoir des espèces de petits avant-postes. Non, mais d'accord, mais tu crois pas qu'on a déjà un truc à terminer, là? Mais justement, je voulais tester. Tant qu'il nous restait du temps, je voulais tester un peu à quoi ça ressemblait, les. Les bases accrochées. Mais ta gueule, toi! Aïe! Ah, mais vous êtes plusieurs! Ah, bon bah, je. Bah, écoute, est-ce que tu peux venir me sauver? Je sais pas si je vais y arriver. Est-ce que je me sens pas bien? Alors là, du coup, comment je le relis ce truc? Genre, je fais ça. Ah, mais t'es juste en bas là? Ah, bah, ouais, mais prends ton temps, je t'en prie. Mais attends, je réfléchis à comment je peux descendre. Déjà faut que je quitte. Y'a Ficelle qui arrive. Coco. Dis qui se connaît. Bon les gars, mais enfin, se précipiter à un moment. Je suis à la moitié du crâne blanc là. Non, ah bon, super. Bon ça va, on a un petit quart d'heure encore. Tu vois, tu t'agaces. Merci! Merci les enfants! Enfin, un petit bout de bois. C'est quoi tous ces troncs d'arbres là? Je sais pas. Putain, mais il y a aussi des troncs d'arbres. Faut que je mange un tronc. Il y a Tortue, il est dans les profondeurs abyssales du monde. Tortue, il fait sa vie. Tortue, c'est barré. Tu l'es indépendant. Ah non, je suis à la maison en fait. C'est ça, t'es revenu. Elle te rappelle, de toute façon. Ouh. Est-ce que je vais trouver des petites brandy? Bon, ceci dit, je peux boire de l'alcool, hein, si j'ai soif. Ouais, ça rend pas beaucoup. Ouais. C'est mais si tu veux, j'ai du coca. Bon, ça va aller, coca. C'est bon. C'est juste la bouffe qu'il me faudrait, moi. J'ai un lézard, si tu veux, que je peux faire griller. Ouais, ah putain, mais j'ai plus assez de brindis. Putain, je suis à la dèche de brindis. Bon sang, on en a pas besoin de ça. En même temps, j'en ai qu'un. Est-ce que ça me rend des brindis si je détruis ça?
Absolument pas. On pourrait penser que je pourrais les récupérer, mais pas du tout. Je crois que tu peux, mais si tu casses avec... une hache, peut-être. Non, parce que tu l'as fait sans utiliser la hache, enfin, pas en le pétant. Tu vois ce que je veux dire? Tu en appuyant sur C. Ouais. Mais tu peux pas quand c'est fini, en fait. Je posais du coca dans les étagères. Oh, trop bien. Oh, c'est super. Je vais en prendre, moi. J'en ai besoin pour... Ah, quoi que non, j'ai juste besoin de bouffe et de m'asseoir un petit moment. Je vais m'asseoir un petit moment. T'as juste besoin de te reposer. Voilà. Bonne soirée à toi, c'est Coco. Ciao, c'est Coco, merci beaucoup d'être passé. Je t'ai mis un petit steak. C'est gentil. Je vais attendre qu'il cuise et me le manger. Hop là. Ouais, du coca, trop bien. De toute façon, à chaque fois que Tortue y part, il nous ramène toujours un petit quelque chose. Oui, il est sympa, il pense à nous. Mais oui. C'est bon. C'est bon. Ça, par contre, hormis avoir des médocs, tu peux pas gagner de vie. Enfin, si, sauf si tu trouves de l'aloe vera et... Ah, je vais mourir. Ah, j'ai chaud. Attends, t'es en train de prendre feu? J'ai chaud. Je vais te ressusciter. Fais gaffe, je brûle encore, je crois. Fais gaffe, je suis un peu chaud, là. Chouf, plisse-moi dessus. T'es bon. Non, je déconne. Je t'ai bien pissé dessus. Non, totalement. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Putain, mais t'as pas mis des armes. C'est bon, l'étagère elle est remplie de coca, wesh. Wesh. Ouais, on va pouvoir se mettre bien, cousin Caleb. Ouais. Ouais, oh, t'as vu? Ouais. Ouais, putain, on a pas fini la grande construction là-haut. Ah, je peux te dire. Ce sera notre chef-d'œuvre. Ce sera l'accomplissement de toute une vie. Il y a aussi le troisième étage ici qui est pas terminé. Ah, bah on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Bon, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. On est bien. Ah, putain, il en faut un paquet de. Ah, les skulls là, on peut en mettre une là. On va mettre une là. Et on va mettre une là. Voilà. On va avoir beaucoup de trisap. Mais c'est pas très grave. Il te fallait combien de brandy, Totar? Beaucoup. Beaucoup combien? Ah, les brindilles, j'en ai plus vraiment besoin, là pour le coup. Mais y a plein de. J'ai mis plein de skull lamp un peu partout dans la base, enfin au niveau du gazebo et tout. Ok. Alors, question. Moi je voulais essayer de construire. Et les passerelles là. Bonne vieille passerelle. Ah, papa. Comment ça marche les passerelles? Est-ce qu'on peut faire depuis ça ou pas? Je vais fermer cette merde. Des fois il me met du blanc, mais des fois il me met pas du blanc. Je peux pas. Ah les copains, je comprends rien. Ah t'es perdu. Bon ben on a une salle de méditation un peu sous la forme d'un. D'une maison. Bah, tu as trop stressé ces temps-ci? Merde. Bien. Peut-être faut juste que je fasse une triplateforme en fait, c'est peut-être ça que j'aurais dû faire plutôt. C'est pas faux. Je suis victime. Bon, je vais la faire, c'est pas grave. C'est pas ça qui va m'en empêcher, c'est pas ça qui va m'arrêter, hein. Mais non, parce que t'es un déglingo des architectes, t'es malade. Il en faut 14 quand même, putain. Ah mais il en faut, hein. Putain, par contre on a pas... C'est dangereux la porte qui mène sur rien. Ah oui, hein. C'est que je voulais faire une espèce de balcon, mais en fait, tu peux difficilement le faire. Mais c'est les latrines, tu tends les fesses, tu fais caca, ça tombe sur le coca par contre, faut juste faire attention. Faudra faire gaffe quand on le prend, donc c'est dégueulasse. T'as pas bon Totor, mais tu t'es tellement étalé sur les constructions. Déjà, on a la tour de Babel à finir de créer. Oui, mais je fais des tests. Toi, tu fais foufou, nous, hein. Parce que la mère nature, elle en a plein de cul qu'on lui fasse sauter sa forêt là. En tout bien, tout honneur. Bah, la mère nature, elle y met un peu du sien aussi.
il faut. Bon, hey, c'est pas ridicule, quand même. Non, mais ça va, franchement, ça a avancé. Hein. Oh, de toute façon, il y a des chances qu'on refasse un de ces quatre un live. Ah, je pense, ouais. Avec les larbonnets. Avec les larbonnets, bien sûr. Forte chance, peut-être pas le prochain, mais on l'annoncera. Si vous continuez, tout ça. Qui nous ont été très utiles, d'ailleurs. Ah, bah oui, voilà. Faut le rappeler. Exactement. Voilà. Regardez, magnifique travail. Il n'y a pas eu trop de rébellion, donc ça a été. Ça a été. Ils étaient dociles, le larbonnet, c'est bien. J'aime les larbonnets dociles. Bon, je vais mettre quelques coups de marteau dans la maison, et puis je pense qu'on va bientôt... Arrêtez là. Ouais, tout à fait. Suffisez, les copains. Et donc moi, je vais finir en étant assis sur le trône. Voilà. Et là, je suis bien, en même temps, je regarde Tornip en train de réparer. Ouais, j'arrive un peu difficilement. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose dans la gueule, là. Tu es caillassé ? Quelqu'un m'a caillassé le cul. Qui a fait ça ? Qui ? Quel d'entre vous ? T'as bien des trucs, ils ont pris des dégâts, mais on sait pas comment, quoi. C'est juste en se battant à l'intérieur. Ça fout tout, ah ouais. Bon, y'a pas besoin de plus, hein. Parfait. Y'a quelqu'un qui me caillasse. Je vais vous tuer. Ah, cela dit, vu les bruits que ça fait. Qu'est-ce qu'il fait, Ficelle, là? Il est en train de... qu'est-ce qui se passe? Je fais des crafts. Ah, je te voyais en train de t'agiter la main, j'étais un peu inquiet. Ah, mais il pleut, enfin! Bah oui, il pleut depuis avant. Du coup, on peut tranquillement boire. Bon, bah écoutez, on va jeter un petit coup d'œil quand même à toutes ces constructions-là. C'est loin d'être terminé, mais ça a un peu avancé. Ça a avancé, oui. Elle est pas mal, cette espèce de baraque, là. Faut l'aménager. C'est cosy, quand même. Bon, c'est un peu dégueulasse, quand même, tout ça. C'est pas très droit. Cette partie-là, ouais, de la baraque qui est loin d'être terminée, malheureusement. Ouais, mais bon. Tortue, qu'est-ce que tu fais sur le trône? Tortue. C'est pas les chiottes, Tortue, hein. Ouais, c'est pas les chiottes. Ah, bah visiblement, il a confondu, putain. Non, ouais. Et merde. Faut vider les pots de lapin. Oh, putain, c'est dégueulasse. Bon, bah, Tortue, vu que c'est toi, tu t'y colles. Je lèche. C'est ça, avec ta langue, tu nettoies. Voilà. Qu'est-ce que tu fous, Totor, là? Je tue un lapin. D'accord, ok. De toute façon, mon cher Tornip, je pense que c'est là où il va falloir se dire un revoir. Eh oui, attends, je tue ce lapin aussi. Voilà. Il va falloir se dire un revoir. Bon, je vais mourir, mais... Qui va mourir? Moi. Je vous invite à sauvegarder tous, des fois que un jour, peut-être, vous revenez, on ne sait pas. C'est pas faux, ouais. On ne sait pas. Hop. C'est fait. Bon, eh bien, écoutez, tout d'abord, merci à tous, merci à Tapou... qui est parti, bien entendu, merci à une tortue d'avoir été là ce soir. Une tortue qui passe comme ça. Merci à Ficelle, merci à Nonan, merci... Qui j'oublie? J'ai l'impression d'oublier quelqu'un. Ficelle, non, Tapou, tortue, Nonan, c'est tout. En termes de larbonnet, c'était ça. Hein. C'était ça, donc, et puis merci à... Les fiers larbonnets qui ont fait le taf ce soir. Ils, ouais, étaient présents. Vous pouvez être fiers de vous. Ouais, franchement, ils nous ont grave bien aidés. Ouais, c'est joli. Mais c'est un peu c'est chez vous maintenant, c'est pas seulement chez nous, hein. C'est chez vous. Par contre, la tortue qui est un peu dissident, là. Ah, il y a quelqu'un qui se moque. Mais j'arrive même pas à le toucher. Il va casser le mur. Merde, je voulais t'en lancer une lance dans la bouche. C'est à moi? Ouais. Espèce de bâtard. Merde, tortue est invulnérable. C'est une tortue ninja. C'est une tortue... Ah non, c'est bon. C'est bon.
Voilà. Non, turnip. Non, Jin, pourquoi tu finis him. Voilà. Voilà. De toute façon, on s'en fout, on a sauvegardé. Mais si, il est mort. J'ai sauvegardé, moi, je sais plus, j'ai sauvegardé. Si, oui, si, t'as sauvegardé. Donc voilà comment on remercie les larbonnés qui décident de craquer un plomb à la fin. On les tue. J'arrive pas à me battre avec ces putains de lances. On les tue. J'essaie de vous les lancer. On les tue. Attention. On les tue. Oh bien, vous êtes écartés pile au bon moment, les gars. Ah, mais nous, on est des fous. Allez, on se calme tous, là, hein. Oh, moi, je me calme pas, moi. J'ai plus d'énergie, en fait, je peux pas me battre, moi. Je me calme pas, viens la ficelle, c'est pour mon respawn de terre. Viens. On se calme. Viens là. Boum. Une lance dans le bide. J'ai même pas mal, j'ai rien senti, t'es qu'une tapette. Merde, ma ficelle finalement se rend. Oh, tant pis. Voilà. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Punk. Oh mon dieu. Vous êtes en train de tout casser. Bon, dans tous les cas, merci à tous. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat d'avoir suivi ce live ce soir. Merci à tous les spectateurs. Merci à tous les followers qu'il y a eu ce soir. Merci et encore merci à Ficelle, à Nutortue, à Tapou, à Nonan d'avoir participé à ce live des Larbonnés. C'était très cool. Merci à toi, Aijin, d'être qui tu es. C'est parfait. Bah oui. Heureusement, je suis là pour fouetter ces dissidents. Fouette-le. Il m'a pas piqué ma lance. Je fouette. Ah, si. Il m'a piqué ma lance, je vous l'assommer à coup de ça. Il est invulnérable, je le frappe depuis tout à l'heure, il est invulnérable. Ah mais oui, mais d'accord, il a une armure en os, je peux me taper dessus quoi. Bah on va taper dessus. On va taper dessus jusqu'à ce qu'il meure. Vas-y, en tout cas, on en profite pour remercier tous ceux qui étaient parmi nous sur le chat Discord ainsi que sur le chat Twitch. Vous avez été très nombreux ce soir, ça fait très plaisir de voir autant de monde sur ce live. Ouais, donc vous inquiétez pas, il va y avoir d'autres lives, pas nécessairement sur The Forest, parce que voilà, c'était sympa. Et puis on refera des lives avec des larbonnés, il n'y a pas de problème, parce que c'est très bien passé. Donc très bonne expérience pour nous, en tout cas, de jouer avec autant d'abonnés. C'est toujours agréable et de vous parler en direct, c'est toujours très sympa. Oui. Et oui, voilà. C'est ce qui sera, à mon avis, le mot de la fin. Le mot de la fin, ce sera oui. C'est vrai, oui. Gueule, hein. Tu t'assois dedans, t'as mal au dos. Moi, j'ai dit oui. Et donc, en tout cas, on vous dit à la prochaine. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, les amis. Et nous détruisons ce symbole de l'oppression. Ah, ben, on le remettra. Ciao à tous. Ciao.